Donc bonjour à tous, parce qu'il y en a certains qui sont venus que pour le débat. Donc on reprend le même format que les autres années. Donc France Gallo va intervenir en premier, ensuite le PMU, ensuite Equidia, et ensuite ils viendront donc à cet endroit pour répondre à vos questions. Et les questions sont toutes à la fin, puisqu'on verra justement vers qui on envoie les questions, suivant que ça intéresse France Gallo, le PMU ou Equidia. Voilà. Donc tout d'abord, je vais appeler Guillaume de Saint-Seine et Élie Hainaut pour France Gallo. Je vous remercie surtout pour votre présence. Bonjour à tous et tous, et si j'ose dire, aussi chers confrères, parce que je suis membre de la Fédération. Et c'est évidemment la première fois que je suis dans le ring et pas dans la tribune. Et je voulais vous dire le plaisir que j'avais à vous retrouver, parce qu'on est, on partage beaucoup de choses ensemble. Et puis, j'ai tendance à dire les choses telles que je le pense. C'est la première fois que je foule le ring, donc je vous rassure. Enfin voilà, j'ai vécu de magnifiques moments ici en tant que vendeur. J'ai aussi vécu de très très beaux moments en tant qu'acheteur. Donc je remercie Arcana de notre disposition cette belle salle. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent dans ma tête en ce moment, parce que voilà, parce que Penny's Picnic, parce que The Right Man, parce que voilà, plein de beaux souvenirs de course et puis de beaux souvenirs de vendeur. Voilà, donc ravi d'être avec vous. Comme vous l'avez senti, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que j'élève. Je suis membre de la Fédération, je suis très attaché à ce syndicat. Merci aux informations, le bulletin que je lis régulièrement, Loïc, tous les travaux que tu accomplis pour notre groupe d'éleveurs. En tant que président de France Gallo, évidemment, j'ai vu la Fédération des éleveurs de l'autre côté. Et ce que je voudrais souligner, c'est le travail collaboratif qu'on fait ensemble, que les élus de la Fédération font au quotidien avec France Gallo. Aucune décision importante concernant l'élevage ne se prend sans que la Fédération soit associée au processus. Nous ne pouvons, nous, du côté de France Gallo, que nous en réjouir. Vous êtes et les équipes sont les meilleurs experts de toutes ces questions d'élevage et aussi, je dois le souligner, pourvoyeurs d'idées, ce qui est extrêmement positif. Voilà, France Gallo, évidemment, est une. On va faire l'historique, vous le connaissez aussi bien que moi, mais c'est vrai qu'on est dans ce côté, dans cet aspect associatif, évidemment aussi une association d'éleveurs, de propriétaires. Et mon objectif avec l'équipe et le conseil d'administration, c'est que l'élevage français réussisse, que ce soit individuellement ou collectivement. Avec Élie et toutes les équipes de France Gallo, on a évidemment, comme vous le savez, travaillé d'arrache-pied sur l'écoute de la société mère. On est dans un environnement qu'on va qualifier de challenging quand on parle anglais, et notre objectif, évidemment, c'est dans la mandature de garantir les allocations et les primes. Par nos efforts, on s'est placé pour 2024 dans un contexte où on va pouvoir récompenser les fruits de votre travail et soutenir vos investissements. L'équilibre entre les allocations et le quotidien et les investissements, ça va être une des questions clés de cette mandature. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, on travaille sur un plan de mandature et aussi sur une vision un peu du galop à 2030 pour justement pouvoir, je dirais, ne pas sacrifier l'avenir et placer France Gallo et l'institution dans un système et dans un nouveau mouvement vertueux où on pourra envisager, comme je l'ai dit dans la campagne, un nouvel élan pour le galop. L'avenir, évidemment, c'est ce que je souhaite, comme je le disais, c'est recruter de nouveaux clients, des parieurs, du public sur nos hippodromes, de nouveaux éleveurs, de nouveaux propriétaires, de nouveaux entraîneurs. Et évidemment, je ne néglige pas les salariés et les collaborateurs de l'institution. On sait bien les difficultés que vous avez à trouver du personnel.
On n'a pas perdu de temps pour réussir ce challenge. On travaille depuis le mois de mars, comme vous le savez, à l'élaboration et la mise au point d'un plan stratégique, d'un plan de mandature dont je parlais. Et ce plan, on le co-construit. Il est co-construit entre les administrateurs de France Gallo et les équipes de France Gallo. C'est une étape très importante de dialogue entre ce que j'appellerais le politique et les équipes de France Gallo avec Henri et Élie. Mais c'est aussi un travail de co-construction qu'on mène en ce moment même avec les associations, en participant, en suscitant des réunions de travail qu'Élie mène avec toutes les associations socio-professionnelles pour avoir un dialogue et pouvoir affiner et travailler ce plan de façon collective. L'objectif de ce plan, et on pourra répondre à vos questions bien entendu, c'est de remettre France Gallo et les courses en général dans l'univers de ce qu'on appelle le sport and entertainment. On est dans un marché concurrentiel. Nos clients sur les hippodromes, les parieurs ont le choix aujourd'hui. On est dans un univers où il n'y a pas que aller aux courses comme distraction. On le voit à la fois dans les grandes villes, mais on le voit aussi dans les régions. Voilà, ce climat de cette ambiance, cette évolution qui est celle de la société des loisirs, et ben aujourd'hui, on doit y répondre et, comme je l'ai dit, remettre les courses dans le cœur des Français. On travaille tous ensemble sur la préparation de ce plan. L'objectif, c'est de le soumettre au comité de France Gallo en octobre. Voilà le calendrier. Promouvoir les courses et leur attractivité, c'est au cœur de ce plan sur lequel on travaille. Ce seront des initiatives visant à développer les nouveaux investisseurs, amener de nouveaux propriétaires, développer l'audience, et évidemment, on aura à cœur une distribution équitable des gains via les encouragements. On travaille, je dirais aujourd'hui, la main dans la main avec vous, Fédération des éleveurs, pour bâtir cet avenir durable et prospère pour notre industrie. Évidemment, on pourra, avec Élie et avec Henri, répondre à vos questions. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi souligner l'importance de la formation et de l'accompagnement des nouvelles générations. C'est un de mes soucis. Vous savez qu'on a mis en place une commission jeune, animée par Pauline Chégoub, avec plus d'une trentaine d'intervenants venant de tous les horizons du monde des courses. C'est évidemment un laboratoire d'idées et un miroir de la jeunesse vis-à-vis de France Gallo, mais c'est aussi une préparation de gens qui, peut-être dans le futur, participeront aux instances, aux comités, aux différentes commissions. Il y a ce double aspect, un, d'écoute de la nouvelle génération, et aussi de la préparation de cette génération à prendre part à nos instances. On a évidemment aussi, plus largement que France Gallo, on encourage beaucoup les initiatives de la FASEC, qui s'est largement transformée sous la direction de Guillaume Henberger, qui délivre aujourd'hui des très bons résultats. Vous savez qu'il y avait aussi un aspect que j'avais beaucoup poussé et sur lequel Laurent Bevin s'est beaucoup investi, qui est toute la problématique RSE, responsabilité sociale et environnementale. Ça comprend évidemment le bien-être animal, évidemment les questions de personnel et les questions environnementales. On continuera à travailler avec vous sur ces sujets de bien-être animal pour assurer les meilleures conditions de vie et de course pour nos chevaux, gage de leur performance, de leur santé et de la bonne image des courses dans les sociétés françaises. Bravo pour les succès au cours des années écoulées. Je sais que c'est plutôt en fin d'année, qu'on les célèbre. Mais pour moi, quand je vois des éleveurs français remporter de grandes courses aussi bien en France qu'à l'étranger, je suis toujours évidemment ravi. Merci pour votre confiance, votre engagement au quotidien, vous tous. Je suis persuadé qu'on a les moyens de surmonter les défis et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Je suis convaincu que l'avenir des courses et de l'élevage est prometteur. Nos valeurs cadrent aujourd'hui parfaitement avec les aspirations des Français. Je sais que vous avez une bonne assemblée générale ce matin. On est à votre disposition avec Henri et Élie pour répondre à vos questions après que nos amis du PMU et Kekidia vous aient partagé leur actualité. Merci à tous.
Est-ce que ça fonctionne aussi? Il n'y a pas de petite lumière verte, mais vous m'entendez bien. Bien le bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être là. Avec Loïc, on s'est posé la question de faire ou 50 slides de présentation ou une présentation courte et surtout vous parler de mon pédigré, vous les éleveurs. Et Loïc m'a plutôt recommandé la version courte et la version pédigré. Donc, je répondrai bien sûr très volontiers à toutes vos questions tout à l'heure. Tu as déjà parlé de pas mal de sujets dont on pourra reparler plus en détail tout à l'heure. Mais donc, sans vous embêter, en deux mots, qui suis-je? Je pense que vous êtes quelques-uns peut-être à ne pas me connaître. Donc, j'ai 51 ans, je suis le papa de trois grandes filles et j'ai un pédigré plutôt plat. Un peu d'obstacles avec les années. Mon père élève, mon grand-père, mes deux grands-pères élevaient aussi. Et j'ai moi monté en course, j'ai monté un peu partout, j'ai la chance de monter en faisanterie, donc j'ai monté plus ou moins 800 courses, j'en ai gagné une petite centaine, un peu partout depuis le nord de l'Europe jusqu'aux États-Unis et jusqu'à Madagascar, et pas mal en France. J'ai le plaisir de monter sur beaucoup d'hippodromes, depuis Berck-sur-Mer jusque dans le sud-est, un peu partout. Et puis j'ai fait, peut-être plus intéressant pour vous, ma carrière professionnelle. J'ai fait une école de commerce il y a déjà quelques années maintenant, vu mon âge. J'ai travaillé chez AXA pendant de nombreuses années, après avoir travaillé chez Deloitte, j'ai fait quelques années d'audit, et puis une carrière essentiellement, on va dire, commerciale, marketing, et puis de la technique assurantielle, des services clients. Mon dernier job, j'étais DG d'une filiale d'AXA en France, et aussi directeur de la prévoyance individuelle pour AXA France. Mais évidemment, ma passion, vous l'avez compris, c'est les chevaux d'abord. Mon père m'a donné d'abord le sens de la passion. La passion et l'amour des chevaux, l'amour des courses de chevaux évidemment, l'amour de la compétition. Et puis, vous le savez, une écurie de course, c'est une équipe. Quand on a 80 chevaux à l'entraînement, on a des collaborateurs, il faut pouvoir compter dessus. Et ben, l'amour des équipes, en tout cas du travail en équipe, c'est quelque chose que j'ai, dès mon plus jeune âge, acquis à l'écurie. Et puis, à 4 ans, j'avais mon premier poney. Je suivais les lots une fois sur deux. Le poney revenait seul sans moi. Mais donc, j'ai appris à monter à cheval comme on apprenait à l'époque, c'est-à-dire un peu à la dure. Mais ça m'a forgé. Et voilà, je suis surtout aujourd'hui un homme d'équipe, un homme de compétition, un homme de challenge. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de rejoindre France Gallo il y a quelques mois maintenant. En quelques mots, vous dire que elles sont parfois critiquées, mais France Gallo compte des équipes absolument extraordinaires. Parfois, on est un peu dur, et en tout cas, dans mon équipe directe, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans la salle pouvoir compter sur quelqu'un comme Henri Pourret, que je pense que tout le monde reconnaît comme étant quelqu'un qui apporte et qui a apporté énormément en course. Delphine Violette, qui est là depuis 3 ans maintenant dans les équipes marketing, communication et bien d'autres dimensions, où déjà beaucoup de choses ont été faites. Et je voulais juste peut-être terminer mon intro et mon intervention en vous disant que moi, je suis un homme plutôt positif. J'ai tendance à continuellement voir les choses, la bouteille et le verre, en tout cas, à moitié plein. Quand on fait le constat aujourd'hui des courses, on a certes des préoccupations, il y a certes des challenges devant nous, des choses sur lesquelles il faudra être solidaire, faire équipe, se serrer les coudes dans l'ensemble de l'institution. Mais on a aussi un grand nombre de points positifs. On a beaucoup d'atouts, on a tendance à les oublier. Mais il suffit d'aller de traverser la Manche ou d'aller voir d'autres pays de course pour se rendre compte qu'on a la chance d'avoir le PMU, on a la chance d'avoir des hippodromes formidables, des bénévoles, des équipes incroyables, des professionnels dont vous faites partie de très très haut niveau. On a de très belles courses et donc on a certainement des challenges, certainement une période à traverser et des défis à relever, mais on a tous les atouts pour le faire devant nous. Et je pense que c'est important de régulièrement se rendre compte qu'on a tous ces avantages, tous ces atouts, parce qu'on a tendance parfois, peut-être que c'est un peu une tendance latine, de voir plutôt les choses qui vont pas que les choses qui viennent que les choses qui vont bien, mais on a beaucoup de choses positives sur lesquelles rebondir et sur lesquelles construire. Voilà, et je suis très enthousiaste et très positif pour notre avenir commun. Voilà en termes d'introduction pour ma part. Et puis, je serai ravi de répondre à vos questions, bien sûr, tout à l'heure.
Bon, je remercie Guillaume et donc Élie pour leurs interventions. Et je suis très heureux de ce que vous avez dit, parce que tout à l'heure, moi, j'ai fait une intervention aussi. Ce n'est pas toujours mon genre positif, mais sans masquer les problèmes. Donc voilà, ça va tout à fait dans le même sens et qu'il faut qu'on tire tous ensemble cette belle institution. Donc maintenant, je vais demander donc au PMU, donc à Richard Viel et à Emmanuel Malcas-Doublet de venir pour intervenir. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, d'abord, je suis ravi parce que je viens de réaliser que finalement, c'est la troisième fois finalement que je viens vous voir, et c'est un plaisir et un honneur. Et d'abord, je vous remercie de m'inviter à chaque fois parce que c'est avec plaisir que je suis avec vous. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que finalement, pour le PMU, la société française, au cours des 12 derniers mois, a subi une crise économique qui était bien sûr difficile. Et dans cet environnement difficile, vous pouvez avoir la certitude que l'ensemble des équipes du PMU restent 100% mobilisées, bien sûr, pour servir leurs 3 millions de clients. Ça, c'est une, bien sûr, une nécessité. Mais c'est surtout, indirectement, servir la filière derrière, parce qu'on sait qu'on a une responsabilité énorme sur la filière de nous, PMU, compte tenu de la part de la contribution que l'on peut représenter pour vous. Alors, bien sûr, c'est le PMU, c'est ses clients, mais derrière ses clients, il y a l'ensemble des acteurs de cette filière qui ont fait que c'est quelque chose d'assez unique. Et parmi les acteurs, vous êtes quand même essentiels, parce que pour qu'il y ait des paris, il faut qu'il y ait des clients, on est d'accord. Mais pour qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des courses. Et pour qu'il y ait des courses, il faut qu'il y ait des chevaux. Et donc, vous êtes bien au centre, finalement, de ce besoin essentiel. Et sans vous, bien sûr, rien n'existerait. Et donc, je reviens en permanence sur le rôle que vous pouvez avoir et qui est prédominant dans le résultat, finalement, qu'on peut en partie produire ensuite. Bon, le contexte économique n'est pas porteur sur l'année 2024, autant qu'on aurait pu l'espérer en cette fin d'année 2023. Principalement pour des questions de pouvoir d'achat sur les Français. On l'a vu en particulier sur les 4 premiers mois de l'année. C'est là où on a senti quand même quelque chose d'assez puissant sur les impacts sur la société, sur le fonctionnement. À partir du moment où l'alimentaire et l'énergie devient un sujet pour tous les Français, il est vrai que nos activités paraissent accessoires par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans la difficulté, et ce n'est pas parce que finalement le contexte est difficile qu'il ne faut pas être animé et il ne faut pas bouger. Au contraire, il faut en profiter pour être dans une action plutôt prolifique sur le travail que l'on a pu réaliser. Et donc ce travail est intense parce qu'il y a énormément de projets au PMU. Alors Emmanuel reviendra là-dessus dans le détail, mais je vais essayer d'en donner les orientations de base. C'est bien sûr des projets d'innovation. Il n'y a pas d'entreprise qui ne puisse avancer sans innover. Et vous ne pouvez pas innover sans parfois vous transformer. Mais c'est aussi mettre l'accent sur les événements hippiques. C'est aussi s'appuyer sur une technologie innovante et réadaptée. Et puis c'est aussi vous développer l'international. Donc tous ces éléments-là sont des projets qui finalement se sont développés au cours de ces dernières années et ces derniers mois. Et Emmanuel va revenir là-dessus, bien sûr, pour entrer dans le détail, pour vous montrer toutes les composantes, finalement, que l'on a pu transformer. Et sachez qu'on a touché à tout, que ce soit les canaux de commercialisation, à la marque, mais elle va revenir là-dessus, je ne vais pas empiéter sur ce qu'elle va vous dire. Mais tout ceci se fait toujours en respectant la ligne de notre plan stratégique. Alors, notre plan stratégique, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est bien sûr trouver des nouveaux clients. Et pour trouver des nouveaux clients, il faut se renforcer dans l'hippisme, mais aussi enrichir et diversifier notre action avec un portefeuille d'offres qui est un peu plus large que simplement l'hippique. En parallèle, les équipes d'Emmanuel sont occupées et attachées finalement à transformer un certain nombre de points essentiels. Bien sûr, on a travaillé sur le point de vente, mais on a aussi travaillé sur l'outil de production. Et puis enfin, et ça, vous n'êtes pas sans le savoir, sur la modernisation de notre système d'information, qui est une chose essentielle parce que finalement, le PMU, c'est une grosse boîte informatique qui fait marcher finalement plusieurs millions de paris tous les jours, et c'est ça qui est un enjeu fondamental. Tout ceci ne peut se faire que tout en restant quand même prudent.
c'est bien d'investir, c'est bien d'avoir des tas de projets. Il faut être prudent parce qu'on a aussi un devoir qui est d'avoir un contrôle budgétaire assez fin pour faire au mieux et délivrer au mieux, finalement, le revenu que vous êtes en droit d'attendre pour faire marcher l'ensemble de la filière. Donc la prudence budgétaire est de rigueur, mais ceci étant, quand on se projette dans le long terme, quand on veut avoir une approche long terme de la filière, ben, on ne peut pas s'arrêter d'investir. Et donc il va falloir qu'on investisse, et dans les années qui viennent, l'investissement n'est plus une option, c'est une nécessité et c'est indispensable pour notre futur collectif. Il faudra bien sûr faire des arbitrages, il faudra qu'on puisse le faire tous ensemble. J'insiste là-dessus parce que parfois, on peut entendre des messages dissonants. Or, j'ai une forme de conviction sur le fait que c'est tous ensemble que l'on peut faire marcher le système, c'est tous ensemble qu'on est capable d'être plus performants, plus pertinents. Alors bien sûr, le PMU, les maisons mères, mais aussi l'ensemble des ingrédients de la filière n'ont pas le choix. Elles doivent travailler ensemble pour être collectifs. Et tout à l'heure, ça a déjà été évoqué, c'est chacun peut être performant individuellement, mais c'est le collectif qui fait que c'est successful. D'ailleurs, une grande partie des Jeux Olympiques ont pu le montrer et le démontrer sur un certain nombre de sujets. Pour être ensemble, il faut bien sûr qu'on communique plus, qu'on se voit plus. Sachez que avec Emmanuel, on a poussé pour que, à la fois, on puisse vous écouter, mieux se comprendre, échanger, être présent dans les hippodromes, et un certain nombre d'équipes sont présentes dans les hippodromes de manière régulière, mais aussi pouvoir vous recevoir et échanger de manière régulière. Il est important de se comprendre, de dialoguer, d'écouter, et c'est par ce biais-là qu'on est capable de réaliser des choses. Je vais citer deux exemples. Alors, je pourrais en avoir plein d'autres, mais je vais en citer que deux. Ben, si je dois remercier par exemple les maisons mères, on travaille sur le calendrier avec les maisons mères. Et sachez que ce travail sur le calendrier a eu la vertu d'améliorer les enjeux, indéniablement. Mais il n'y a pas que ça. Avec vous, par exemple, on a travaillé sur les partants. Alors, ce n'est pas toujours parfait encore, mais en tout cas, quand on travaille sur les partants ensemble, eh bien, on est successful et on est capable d'apporter de l'incrément de revenus. Et c'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Je viens de vous en donner deux. Il y en a des dizaines d'exemples où, quand on est ensemble, on gagne. Si je dois brosser finalement une orientation au-delà de ce que Emmanuel va vous dire, préserver la coopération de la filière est une priorité si on veut être successful. C'est ensemble qu'on va être capable d'être successful au niveau national, bien sûr, avec des actions terrain, parce que c'est là que sont une grande partie de nos parieurs, mais aussi à l'international, puisque sachez que depuis 2023, eh bien, nous sommes la filière hippique, le premier exportateur de courses et paris dans le monde, et c'est une très grande fierté qu'on a, puisque finalement aujourd'hui, sachez que les courses, et donc indirectement des paris derrière, sont diffusées dans 50 pays avec une centaine de partenaires. C'est quand même incroyable. Alors pourquoi finalement ils viennent avec nous et ils le font avec nous et pas avec d'autres? Eh bien c'est parce qu'on a les qualités essentielles, collectives, qui fait que c'est un succès. La qualité des courses. Alors les qualités des courses, elles se déclinent sur plusieurs aspects. Elles sont à la fois bien sûr sur le côté sportif, mais aussi pas que. Il y a aussi la qualité de l'organisation, il y a aussi la régulation qui aujourd'hui en France est très claire, et donc la réglementation qui fait qu'on a le sentiment que c'est plutôt propre. Le contrôle, et aussi la discipline dans la manière dont on travaille sur les hippodromes et autour, pour faire que ces courses sont perçues par les acteurs comme étant les meilleurs endroits et les meilleurs fonctionnements possibles, et c'est ce qui leur donne envie finalement de parier sur nos courses au niveau mondial. Voilà ce que je pouvais vous citer en termes d'exemple et de l'esprit que j'aimerais qu'il existe au sein de cette filière, et sachez que l'ensemble des équipes du PMU feront le maximum pour adhérer à ces principes. Donc pour finir, je dirais donc coopération, excellence dans l'exécution, et je sais que nous sommes encore perfectibles au PMU comme dans toutes les entreprises que j'ai eu l'occasion de gérer. Et puis enfin, se faire confiance pour espérer un jour aller vers le succès de manière encore plus forte. Et tout ceci doit se faire malgré, ce que je dis, toutes les turbulences qui peuvent exister. Et toutes les entreprises vivent des turbulences, le PMU comme les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, où Emmanuel va rentrer dans le détail
d'action et de choses plus tactiques. Emmanuel, je te passe la parole. Merci. Merci Richard, bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est la troisième fois que je m'adresse à vous en tant que directrice générale du PMU et c'est toujours un moment particulier qui me tient à cœur. Alors cette Assemblée Générale, il faut le dire, c'est à chaque fois en quelque sorte le coup d'entrée, le coup d'envoi de la rentrée pour toute la filière et merci au président Malivet pour l'invitation et l'accueil chaleureux chaque année. Et du coup, c'est pour moi le moment de vous parler des résultats du PMU, mais surtout de ses perspectives, et compléter tous les points qu'a déjà évoqué Richard. Alors déjà, sur 2024, les premiers mois, vous les avez vus, ont été complexes. Richard l'a rappelé, il y a eu un début d'année difficile, impacté par la conjoncture économique, l'actualité sociale, politique, avec pour conséquence une baisse d'activité sur les quatre premiers mois de l'année. Ensuite, on a retrouvé la croissance, mais on a eu un début d'année difficile. La situation s'est améliorée à partir du mois de mai, grâce à des actions terrain, grâce à des actions d'empathie pour nos clients, et grâce aussi, il faut le dire, à une dynamique de marché plus favorable. Ce qui fait que nous nous sommes engagés à tenir le budget sur la fin d'année. Maintenant, quelques mots sur l'été. Alors l'été, on a été impacté par deux facteurs principaux. Le premier élément, c'est forcément l'impact des Jeux Olympiques, et je vais y revenir. Et le deuxième élément, c'est l'arrêt des GPI sur le Quintet. Ce qui fait qu'on a eu quelques semaines de décroissance, et depuis l'arrêt des JO, on retrouve une dynamique positive par rapport à l'année dernière. Juste quelques mots d'abord sur les Jeux Olympiques. C'est un événement planétaire pour la première fois cette année à Paris et il y a eu un engouement, il faut le dire, particulièrement fort. Je pense que vous l'avez tous vu. On a eu un impact, c'est vrai, plus fort qu'attendu. On estime l'impact négatif sur les enjeux hippiques puisqu'en fait, il y a eu un fort engouement pour les Jeux Olympiques et du coup, un détournement d'attention sur les courses hippiques d'autour de 35 millions d'euros d'enjeux quand on avait budgété plutôt 15 millions d'euros d'enjeux négatifs pendant cette période, donc un impact légèrement plus fort. Par contre, attention, cette tendance négative, ce n'est pas une tendance de fond. On a beaucoup d'actions qui sont prévues à la rentrée, et la semaine dernière, donc pour rappel, les JO se sont terminés il y a une semaine, et la semaine dernière, on est stable, voire en légère croissance, par rapport à l'année dernière, qui était une forte semaine de référence. Ce que ça veut dire, c'est que sur le total de l'année, on a l'objectif, qu'on a partagé bien évidemment avec les sociétés mères et lors du conseil d'administration de juillet, d'atteindre 838 millions d'euros de contribution. Donc c'est 3 millions d'euros de plus que l'année dernière, même si c'est en dessous de notre objectif initial. Alors pour atteindre cet objectif, qui est quand même 838 millions d'euros, nous allons animer le client dès la rentrée, puisque la rentrée, nous avons un objectif de croissance, et donc on a des animations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des innovations produits, le simple au spot par exemple, on a aussi des boosters, quelque chose qui marche très bien, qui vont être introduits sur le simple, et on a bien évidemment une animation de rentrée assez classique autour du Quintet. Ça c'est pour ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, on va bien évidemment animer nos clients tout le long de l'année. J'en profite d'ailleurs pour remercier vraiment les équipes du PMU, il y a une certaine partie du comité de direction ici, et merci pour votre présence, qui sont pleinement mobilisés tous les jours sur le terrain, réactifs, pugnaces, pour mener ces projets à bien, pour assurer la qualité de service, pour piloter le développement de nos projets et aussi améliorer les parcours clients, puisque c'est clé dans un marché concurrentiel. Alors, là, je vous ai parlé en gros de la bonne marge de l'entreprise, des chiffres à court terme, mais ce qu'il faut surtout, et Guillaume, Élie et Richard en ont parlé, c'est préparer l'avenir à plus long terme. Nous poursuivons la transformation de l'entreprise. Richard l'a rappelé, c'est primordial, et notamment notre système informatique qui était obsolète. Ça prend du temps, ça prend 3-4 ans. L'objectif, c'est de finir en 2026, mais on continue cette transformation informatique qui nous permettra d'être plus agile en termes de développement de nouveaux produits. Alors, vous le savez, et d'autant plus avec les mouvements, pour ceux qui suivent un peu le marché du jeu d'argent, il y a beaucoup de mouvements de marché qui s'opèrent en ce moment sur le marché du jeu d'argent. La Française des Jeux rachète Unibet, Betclic investit massivement sur l'Hippique.
Ce que ça montre, c'est que le marché ne nous attend pas. Il continue à évoluer de plus en plus rapidement. Donc pour rester dans la course, on n'a pas d'autre choix que d'investir, mais surtout d'avoir une perspective à plus long terme. Renforcer notre place d'acteur multijeu sur le digital pour préserver nos clients historiques, mais aussi recruter de nouveaux clients, et notamment élargir nos canaux de distribution et élargir notre offre. Pour rappel, on a une offre qui n'a quasi pas changé. Alors, il y a des contraintes réglementaires, mais depuis 100 ans, et il faut qu'on arrive à se réinventer. Le marché est en plein bouleversement. Nous devons prendre de la hauteur maintenant pour réussir à préserver notre part de marché. Il faut être obsédé par notre part de marché, celle de nos concurrents, et préserver et les développer. C'est pourquoi nous avons travaillé ces dernières semaines et mois avec les sociétés mères, et nous sommes penchés sur les priorités à opérer pour rester dans la course et évoluer en ligne avec le marché. Il y a trois grandes priorités qui se sont dégagées. La première, c'est le développement de nouvelles offres sur le offline. La deuxième, c'est l'élaboration d'une stratégie digitale multijeu ambitieuse. Et la troisième priorité, c'est l'exploration de nouveaux canaux de distribution plus innovants, plus accessibles dans notre réseau de points de vente, dans notre réseau offline. Alors, il est trop tôt pour vous en dévoiler davantage parce qu'il y a certains projets qui nécessitent notamment des évolutions réglementaires, mais vous le voyez, nous préparons plus que jamais l'avenir du PMU. Je voudrais maintenant terminer pour vous parler de quelques projets concrets qui ont eu lieu depuis la dernière fois que nous avons échangé il y a un an ici même. Plusieurs éléments. D'abord, je vous l'avais annoncé en quasi avant-première, nous avons lancé en novembre dernier le nouveau Quintet, le fameux Quintet Option Max. Pour rappel, il y avait deux dimensions dans ce nouveau produit. Il y avait réintroduire le 4 sur 5 pour réaugmenter la fréquence de gains, mais aussi introduire un coefficient multiplicateur pour avoir des gains plus importants. Alors là, on a eu deux dynamiques un peu différentes sur nos deux canaux qui sont l'online et le offline. Sur le online, la bonne nouvelle, c'est que le Quintet, depuis son nouveau lancement, est en croissance de 5%. Donc on a réussi à retrouver, grâce à cette nouvelle formule, le Quintet qui est en croissance à 5% avec un taux d'adoption d'options de 25%. C'est-à-dire qu'un quart des gens qui prennent un Quintet, maintenant, prennent l'option max sur le digital. En revanche, il ne faut pas le nier, les résultats n'ont pas du tout été équivalents sur le offline. Sur le offline, on continue à être en décroissance, sur le Quintet. Alors, il y a un contexte global économique peu favorable, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi une dégradation des rapports sur le Quintet, sur le offline. Et donc, le Quintet sur le offline n'a pas répondu aux attentes. C'est pour cela qu'on a pris des nouvelles mesures. On a été réactifs et face à cette décroissance du Quintet sur le offline, on a pris une mesure forte. Je pense que vous l'avez vu, vous en avez entendu parler. Depuis le 1er août, les GPI n'ont plus le droit de jouer sur le Quintet. Nous avons pris cette décision forte pour protéger nos parieurs français. Alors pourquoi maintenant? C'est que jusqu'à présent, en gros, dans 50% des cas, c'était favorable, dans 50% des cas, c'était défavorable pour les parieurs français, le fait que les GPI jouaient sur ce pari. Mais on a noté depuis plusieurs mois, notamment depuis novembre dernier, une forte amélioration de la performance des GPI, ce qui fait que cela a nettement dégradé les rapports pour nos parieurs français. Donc les parieurs français, ils avaient cette nouvelle formule du Quintet, mais finalement ils gagnaient moins qu'avant parce qu'il y avait une dégradation des rapports du fait de l'amélioration de la performance des GPI. Je vous prends deux exemples. Lors du prix d'Amérique, il y a eu des grands gagnants, le grand gagnant, ils étaient plusieurs, ils ont touché 640 000 euros. Avec la nouvelle formule, demain, ils toucheront 1 million d'euros. Sur le 7 mars dernier, il y a un client qui a gagné 1 million d'euros. Avec la nouvelle formule, il aurait touché 2 millions d'euros. Donc c'est une décision forte, engagée, mais aussi d'empathie pour nos parieurs. C'est pourquoi nous avons eu le soutien total de notre conseil d'administration et en particulier, bien sûr, des sociétés mères et de l'État sur cette prise de décision. Précisez aussi que cette prise de décision n'a pas de conséquence sur la contribution nette de la filière. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons certes une baisse d'enjeux des GPI, mais nous avons réajusté le produit brut des jeux pour compenser la perte de marge générée par les enjeux en moins des GPI. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que malgré cette hausse des PBJ, les parieurs français ont un taux de gain supérieur et donc gagnent plus. Donc c'est gagnant-gagnant pour la filière et pour les parieurs. Je vais vous donner quelques preuves concrètes, puisqu'on l'a lancé au 1er août. Sur le rapport ordre moyen, il est depuis le 1er août à 126 000 euros,
Avant, il était à 90 000 euros. La promesse de gains plus forts. On a lancé le 1er août la nouvelle formule. Le 4 août, on a eu un gain de 2,6 millions d'euros. C'est un gain qu'on n'avait pas eu depuis 8 ans au PMU. On a encore eu, il y a quelques jours, un gain à 700 000 euros. Donc, vous voyez bien, cette mesure fait en sorte de faire gagner plus nos parieurs français. Et je l'ai dit, ça n'a pas d'impact négatif ni sur l'enjeu de la France, ni sur l'activité internationale, bien évidemment, grand public. Voilà pour la partie quintée. Ensuite, l'année dernière, je vous avais aussi parlé ici du fait de poursuivre les efforts sur le réseau de points de vente. La densification, qui est un élément essentiel pour la croissance de notre activité. Et aussi, je vous avais parlé d'un nouveau segment de points de vente, les fameux bars premium, les paris mutuels urbains. On a inauguré le premier pari mutuel urbain en début d'année à Bordeaux, en mars. Et je pense que vous en avez, vous en avez entendu parler, on a eu une forte couverture, notamment médias. On a pu faire le JT de 13h sur TF1, le 19h45 de M6. Ça a été énormément relayé, ça participe à moderniser l'image de marque. Et ce nouveau concept, c'est vraiment pour reconquérir les centres-villes des grandes métropoles françaises. Et ça nous permet de valoriser l'image du PMU. Il y en a déjà plus d'une dizaine qui ont ouvert. Et encore très récemment, il y en a un qui a ouvert à Lyon cet été. Ça, c'est pour le nouveau concept de point de vente. On a aussi continué à ouvrir ce qu'on appelle la densification des points de vente. On a ouvert le 14 millième point de vente au début de l'année. Et là, on est déjà à 14 200 points de vente actifs. Donc, encore une fois, et je regarde Sylvain, directeur commercial, merci aux équipes commerciales parce que c'est vraiment un tour de force d'arriver à ouvrir des points de vente, notamment dans les zones où on n'a pas de points de vente à proximité. Autre élément, c'est qu'on continue à investir, je vous en avais aussi parlé, dans l'équipement de modernisation, ce qu'on appelle le parcours client. Donc, on va très prochainement déployer des nouvelles bornes, nouvelle génération. Vous le verrez dans tout notre réseau de points de vente. Donc, c'est un investissement important, mais qui permettra de moderniser, de fluidifier et d'augmenter la prise de paris en point de vente qui seront déployés début d'année 2025 sur plusieurs mois, bien évidemment, parce que vous imaginez que déployer 10 000 bornes, ça se fait sur plusieurs mois. Et enfin, je ne vais pas vous citer tous les projets, mais quand même vous citer un nouvel élément majeur pour nos points de vente et pour les hippodromes, c'est le lancement de PMU+. PMU+, c'est une application qui répond aux attentes des clients en termes de digitalisation de parcours, tout en maintenant la convivialité des points de vente et des hippodromes. C'est vraiment une application pour les points de vente et pour les hippodromes pour faciliter la prise de paris par téléphone. Alors, nos joueurs sont satisfaits de l'utilisation de ce nouveau système, de cette prise de paris. C'est en quelque sorte une borne dans la poche. Et ça permet aussi, nous, de stimuler, parce qu'on va connaître mieux grâce à ça nos clients, et d'animer davantage, de fournir des offres promotionnelles pour nos parieurs et notamment pour nos turfistes. Alors, ça va continuer à évoluer au fur et à mesure. Par exemple, on vient de dématérialiser la carte, on vient d'offrir le service Apple Pay sur la prise de paris par téléphone. Donc, on continue à l'améliorer, mais en tout cas, beaucoup de choses sont faites pour fluidifier l'expérience en hippodrome et en point de vente. Voilà quelques exemples que je voulais vous donner sur ce qui a été fait sur les derniers mois. Vous l'aurez compris, les projets, les sujets, les idées ne manquent pas pour poursuivre la mutation de l'entreprise, relever les défis actuels et futurs et assurer la pérennité, c'est ça qui est important, de notre activité, de la filière et préparer l'avenir de PMU. Richard, l'équipe de direction, toutes les équipes, tous les collaborateurs du PMU et moi-même sont pleinement engagés, vous le savez, dans cette mission. Vous pouvez compter sur notre mobilisation totale et toute notre énergie déployée au quotidien pour faire grandir le PMU et la filière. Nous ferons preuve de courage pour prendre les décisions nécessaires, même les plus difficiles et les plus controversées, comme c'était le cas sur les GPI. Nous nous engageons à faire toujours les choix qui protègent nos parieurs et par là même toute la filière. Des choix qui permettront de faire rayonner notre écosystème et de pérenniser durablement notre modèle. Et comme l'a dit Richard, notre modèle se développe de plus en plus et c'est une très bonne chose à l'international. Je le répète souvent, mais aujourd'hui plus que jamais, il n'y a pas de paris sans course et il n'y a pas de course sans paris. Merci à tous et je reste à votre disposition pour les questions. Merci donc le PMU pour cette intervention et donc je demande à Pierre Robert de prendre la parole pour Equidia.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Loïc Malivet pour l'invitation fidèle. Je suis présent aujourd'hui pour la troisième fois également. Comme Richard et comme Emmanuel, Guillaume et Élie, vous êtes présents pour la première fois. Écoutez, moi je suis accompagné d'une petite présentation, puisque je n'ai pas la chance d'être en duo, donc je vais jongler avec ma présentation pour simplement vous faire un point. Je vais essayer d'être assez efficace pour introduire cette présentation. Alors est-ce que voilà, ça marche ? Je vais vous parler de trois éléments. Le projet d'entreprise, vous avez probablement entendu parler de l'évolution que nous avons apporté à ce qu'on appelait jusqu'à la fin de l'année dernière le pôle média, les principales évolutions de l'année écoulée et enfin les principaux chantiers. Alors, pour introduire le nouveau projet d'entreprise, et je vais essayer d'anticiper également certaines de vos questions, la dénomination H-Racing Media, qui est peut-être une dénomination nouvelle pour vous, c'est la dénomination sociale de la structure juridique et bien évidemment que la marque Equidia reste absolument centrale et au cœur de nos activités. Cette nouvelle structure, elle s'inscrit dans un nouveau contexte. Ah, ça ne marche pas toujours. Voilà. Et notamment les attentes sectorielles. Et là, c'est assez simple pour moi, puisque je passe après Richard, Emmanuel et Guillaume et Élie, sur tout ce qui a été exprimé, sur les enjeux, évidemment, en termes de marché en France, de conquête sur le digital, de nouvelles cibles, de nouveaux canaux, le plan stratégique côté France Gallo, l'enjeu, on en a parlé, des cibles jeunes, de l'entertainment et de l'expérience Hippodrome. Donc en fait, tout ça est à l'origine de ce nouveau projet, puisque finalement, notre organisation jusqu'à aujourd'hui était très tournée vers l'édition de la chaîne Equidia et qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'organise pour répondre à toutes ces attentes. Donc, c'est le premier point, il est central. Le deuxième point, c'est l'évolution un peu des outils et des standards de fabrication et de production dans l'industrie des médias. Et le troisième point, c'est, vous avez pu aussi l'observer, je reviendrai rapidement sur les Jeux Olympiques, mais ce qu'on appelle la plateformisation des groupes audiovisuels. Sur les 6 derniers mois, on a vu le lancement de PMU+, mais on a vu le lancement de TF1+, et de N6+. Où effectivement, ce qu'on appelle le streaming, ce sont des termes un peu barbares, mais le streaming, c'est la consommation en ligne par rapport à la consommation traditionnelle et notamment de programmes en direct, vraiment se déploie et fait une percée extrêmement importante sur l'ensemble des marchés. À titre d'illustration, alors je n'ai pas encore les chiffres de Paris 2024, mais c'est une petite illustration que je vais contrebalancer très vite. Ça, c'est en bleu, vous avez la part d'audience digitale des Jeux Olympiques sur les 15 dernières années, depuis Pékin en 2008 jusqu'à Tokyo en 2021. Et vous voyez qu'on passe de 0% à 71%. Alors là, on parle d'une consommation monde, hein, mais ça montre l'enjeu du digital. Et en même temps, ce qui vient contrebalancer mon propos, mais c'est extrêmement important de l'intégrer, c'est l'enjeu des chaînes traditionnelles et du local, puisque vous avez pu le suivre, France Télévisions a fait des cartons pendant les JO, avec notamment un record sur la cérémonie d'ouverture, puisqu'elle s'est inscrite dans les 5 plus grandes audiences, plus fortes audiences de l'histoire de la télévision, les 4 autres étant occupées par des finales de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe de foot. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, et c'est, je voulais le montrer devant vous en illustration, c'est que l'idée n'est pas de dire on va aller vers le tout digital et on va sacrifier les supports traditionnels, c'est au contraire un équilibre et une organisation qui doit se mettre au service de l'ensemble de ces supports. Donc le nouveau modèle, H-Racing Media, en fait, si je dois le résumer, et il faut le comprendre dans le bon sens, c'est qu'on est parti d'un modèle de centre de coût, où nous étions finalement le pôle média, un centre de coût pour l'institution, à un modèle de relation client-fournisseur, et je le dis dans le bon sens du terme, c'est être au service de l'institution, autour d'un catalogue de produits et d'une organisation associés, avec des enjeux et des objectifs qui sont résumés ici, mais un lien plus fort avec l'institution, une agilité, une efficacité, j'y reviendrai beaucoup, mais opérationnelle, qui sont au cœur de ce nouveau projet. Et pourquoi aujourd'hui ce nouveau projet ? Parce qu'en fait, il fallait qu'on s'organise en lien avec ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense que vous connaissez tous parfaitement la chaîne Equidia, mais H-Racing Media aujourd'hui, c'est 39 canaux, chaînes éditées,
C'est, Richard l'évoquait, alors c'est pas 53 partenaires, excusez-moi Richard, c'est donc 53 pays avec plus de 100 partenaires à l'international, et notre rôle aussi c'est d'accompagner, évidemment, puisque nous éditons 16 canaux quotidiennement pour l'international, pour le PMU. Donc nous sommes aujourd'hui une vraie société d'édition et de production avec ces canaux, avec plus de 170 produits fabriqués quasiment quotidiennement, et puis aussi de la prestation de services pour l'ensemble de l'institution. Donc nous sommes passés, si vous voulez, pour résumer, d'une organisation de chaîne de télévision à une organisation de société d'édition et de production. Les bénéfices attendus, je les ai évoqués dans mon propos sur ces sujets, mais c'est évidemment de mieux servir l'institution et de mieux répondre aux besoins, aux attentes, aux ambitions de chaque acteur de l'institution. Les bénéfices attendus, c'est aussi d'adresser mieux et encore mieux le client final, et notamment le parieur, c'est d'être au service, de faire en sorte qu'il soit plus engagé. Et puis, c'est la performance, dans le sens positif du terme, mais la performance en termes d'agilité, d'efficacité et de création de valeur au service de l'institution. Donc voilà pour le projet de notre nouvelle organisation, qui est un projet extrêmement important et qui, encore une fois, j'en suis convaincu, et j'en profite pour remercier l'ensemble des dirigeants de l'institution qui m'ont accompagné sur ce projet, Guillaume à son arrivée, Richard Emmanuel et Jean-Pierre Barjon, parce que c'est un projet central pour les activités médias de la filière IPIC. Sachez que nous sommes, pardon de l'exprimer comme ça, mais une très grosse machine. Élie a parlé de son pédigré, moi mon pédigré il est dans les métiers de l'édition et de la production, mais il n'existe pas en France un équivalent à ce qu'est aujourd'hui H-Racing Media en termes d'édition, de production, de volume de production de sport en direct, en France évidemment, mais en Europe aussi et probablement dans le monde. Ouais. Sur les évolutions de l'année écoulée, en fait, elles viennent en totale continuité et s'inscrivent totalement dans ce projet d'entreprise. J'ai parlé d'agilité et il faut qu'on adapte nos moyens de production. Ce qu'on a fait, je vous en avais parlé en partie l'année dernière, mais aujourd'hui, si j'essaie de vous résumer de façon assez simple, on a trois niveaux de production, ce qu'on a appelé ce qu'on pourrait appeler le studio digital. Alors, digital parce qu'il nous permet de produire des contenus avec des équipes très réduites et donc à destination des réseaux sociaux et des plateformes numériques, mais c'est un outil qui aussi peut servir pour l'antenne d'Equidia dans certaines circonstances. Ce qu'on a appelé les cabines immersives que vous avez découvertes depuis l'été dernier, puisque c'est en place. On l'a mis en place juste au moment de l'AG l'année dernière. C'est un principe, je parle peut-être un peu technique, mais c'est un principe de fond vert, d'incrustation, qui permet d'être dans une notion encore plus immersive en lien avec l'hippodrome. Et puisque vous connaissez depuis toujours de façon assez traditionnelle le grand studio, mais on a modernisé ces trois outils et ces trois niveaux de production pour être justement plus agile, répondre plus facilement aux besoins avec des moyens adaptés. Et aussi des sujets d'innovation, je l'illustre ici, c'est-à-dire que si vous regardez le plateau avant et après, la nouvelle formule très épurée du plateau a vocation à accueillir de la réalité augmentée et notamment de plus en plus de services autour de la donnée. En parallèle, on l'évoquait ce matin avec certains d'entre vous, mais un des enjeux pour nos activités et sur l'activité d'édition et de production, c'est d'être évidemment de distribuer nos contenus sur tous les supports. Alors je vous résume ici ce que vous connaissez déjà, évidemment la distribution satellite via CanalSat et via Barsat pour les points de vente PMU qui reste évidemment absolument central dans notre activité et un enjeu de fiabilité très important, les FAI et puis ce qu'on appelle l'OTT. L'over the top, c'est s'affranchir des box traditionnelles pour accéder au contenu, le site web que vous connaissez, l'application mobile, et surtout depuis le début d'année, l'application TV connectée. Je vous fais un petit focus dessus. Aujourd'hui, pour accéder à la chaîne Equidia et au service Equidia, vous avez les distributeurs traditionnels, Canal, Orange, Free, SFR, et puis vous avez maintenant l'affranchissement de ces distributeurs directement via le téléviseur. Vous pouvez télécharger l'appli Equidia et nous adressons aujourd'hui 83% du marché et la plupart des grandes marques Android et Apple TV et également l'Apple TV. Et puis, d'ici quelques semaines, nous lancerons une nouvelle version de l'application mobile. Donc en fait, un projet d'entreprise, on s'est transformé
une agilité de nos moyens de production, une présence sur l'ensemble des supports. Ça a été les principaux chantiers que nous avons menés au cours de ces dernières années, de cette dernière année, pardon. Et puis, ce que j'exprime ici, ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'on a triplé en 3 ans la consommation de contenu hippique sur les supports numériques. Voilà. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, l'idée, c'est d'avoir la bonne stratégie et le bon équilibre entre le navire amiral qui est la chaîne Equidia et les services associés. Nos principaux chantiers en jeu, alors dans la continuité de ce que je viens d'exprimer, nous avons... Ah, vas-y. Voilà. C'est assez simple, hein. C'est le contenu et l'innovation. Guillaume, Richard et Emmanuel en ont parlé, mais le contenu, les produits et l'innovation sont au centre de nos préoccupations. L'amélioration de nos services, la chaîne Equidia évidemment, les canaux racing, les services à l'international. Demain, toutes les possibilités de la réalité augmentée, du multicanal sur les services numériques. La fiabilité également, on en parlait ce matin, je crois qu'il y a une référence faite au PMH. Évidemment que nous devons être fiables à 100% et les enjeux évoluent avec le temps. Les PMH et pouvoir accéder aux PMH de façon efficace et facile et fiable est au centre aussi des enjeux. Donc l'amélioration continue de nos produits, saisir les opportunités technologiques, je ne vais pas m'arrêter, ça serait un peu trop complexe peut-être, mais notamment la remote production et les standards de production qui évoluent. La réalité augmentée, qui est un service, vous le voyez sur tous les événements sportifs, hein, si vous avez regardé les IO, on voit qu'en termes de services associés sur la donnée, ça progresse beaucoup. Et nous, on a aussi notre part à prendre là-dessus. Et puis le développement des services, 2 services nouveaux que nous avons développés ces dernières semaines. Les cotes dans le tracking depuis quelques semaines et un outil d'aide à la décision. On propose maintenant, notamment sur les services numériques, le fait de pouvoir voir la course, la dernière course d'un engagé pour les parieurs et aussi pour l'ensemble de l'institution. Je conclus en synthèse. On a mis en place une nouvelle organisation qui vise à répondre au mieux aux attentes, aux ambitions et aux besoins de l'institution. L'innovation est au cœur de tout ça, mais l'idée, c'est vraiment d'être tourné vers l'institution, d'être au service de l'institution, c'est de centraliser les expertises. Le pôle média, auparavant, c'était 7 structures différentes qui intervenaient. Aujourd'hui, on a centralisé les expertises autour d'une structure qui s'appuie sur le GTHP en matière de présence hippodrome. Et puis, c'est vraiment d'être tourné et de viser à être plus performant, de contribuer de façon plus active à la création de valeur, d'être plus agile et d'être plus efficace. Voilà, c'est vraiment ce projet, et je crois que ce qu'ont exprimé Guillaume, Élie, Richard et Emmanuel depuis ce matin montre bien l'enjeu que nous avons de notre côté à nous organiser pour pouvoir répondre à ces ambitions. Voilà, merci, et je crois qu'on est tous ensemble ensuite pour répondre aux questions. Pour votre intervention. Donc, comme prévu, on va lancer le débat. Donc, France Gallo, PMU et puis Equidia, si vous voulez venir dans le ring. Et si vous voulez, pour lancer le débat, j'ai eu plusieurs questions là, pendant ces jours de vente de certains de nos éleveurs. Qui aimerait en savoir un peu plus sur le dossier, le plan stratégique. Donc, on peut commencer, ça ouvrira le débat. Donc, Élie ou Guillaume, si vous voulez intervenir sur le plan stratégique. Je vais peut-être répondre déjà pourquoi un plan stratégique. Et je crois que l'idée, c'est quand même de donner de la visibilité aux socioprofessionnels, à la fois sur la mandature, et aussi de pouvoir projeter France Gallo, même peut-être au-delà, dans une vision 2030. Je sais qu'il y a des questions, des interrogations sur Guillaume, c'est un homme d'entreprise, c'est un homme de banque, il veut transformer France Gallo. Et j'ai répondu à une, je crois, une question il y a quelques mois en disant pour toi, qu'est-ce que c'est France Gallo? Alors, ce n'est pas une entreprise, hein, je ne vais pas transformer France Gallo en SA. Mais j'appelle ça une organisation. Et une organisation, moi, je pense qu'il faut qu'elle puisse se projeter dans la durée, à la fois pour nos membres,
mais aussi pour les collaborateurs de France Gallo. N'oublions pas, voilà, il y a 370 personnes qui au quotidien œuvrent pour les centres d'entraînement, pour les engagements, pour le côté régalien, le côté commercial de France Gallo. Ben, je pense qu'un plan stratégique, ben, c'est aussi pour créer une émulation et une vision qu'on partage avec les collaborateurs et qu'évidemment on partage avec la filière. Ensuite, voilà, j'ai parlé de sport entertainment, on est dans un marché concurrentiel. Ben, quand on doit se mesurer à des concurrents, on doit le faire avec une vision et pas naviguer au jour le jour. Voilà, ça c'est les raisons. Le process, on en a parlé. Élie, je te laisse compléter comme tu le souhaites. Merci, merci Loïc pour la question. Effectivement, avec l'équipe, on s'est dit qu'il était important que pour France Gallo, on se dote d'un plan, d'une vision, qu'on retravaille ensemble la mission, les valeurs apportées par les collaborateurs en interne. Et on a voulu que ce soit le plus collaboratif possible. Donc on a juste quelques mots sur la méthodo. On a avec les équipes du PMU, je vois Sylvain qui est là, mais Olivier, toutes les équipes, mais aussi toutes les équipes des différentes structures FI, PNCH, AFASEC, GTHP, les équipes d'Equidia. On s'est dit, voilà, on a des courses formidables, on a un programme, on a des professionnels, on a un avenir avec des challenges et on a réfléchi ensemble à quel cap se donner. Et on est très vite arrivé à l'évidence que le point d'entrée numéro un, c'est le client. Et on l'a dit tout à l'heure, peut-être quelques éléments complémentaires par rapport à ce que tu disais, Guillaume. Ce qu'on s'est dit, c'est que le sujet majeur pour nous, c'est de trouver des prospects. Parce que c'est-à-dire de nouveaux clients et faire venir sur nos hippodromes, faire aimer les courses, faire aimer la passion des courses à des personnes qui ne connaissent pas nécessairement notre activité et bien évidemment recruter de nouveaux parieurs en dehors de nos hippodromes ou sur nos hippodromes. Donc ce qu'on a voulu essayer de construire, qui est en pleine construction, d'ailleurs il est loin d'être terminé, comme tu l'as dit tout à l'heure Guillaume, on a aujourd'hui une consultation, l'ensemble des associations sont consultés, on a eu un échange Loïc la semaine dernière et on va intégrer tous les éléments que nous avons pu recueillir des uns et des autres pour construire avec le conseil d'administration et l'équipe de direction un plan pour retrouver aussi sécuriser les budgets pour pouvoir le mettre à exécution. Et ce plan, vraiment l'orientation numéro un, c'est le client public parieur. Et tout à l'heure, tu le disais Emmanuel, j'aime bien ta phrase des courses et du pari. C'est une évidence. Je pense que parfois, par le passé, on n'a pas toujours été aussi clair là-dessus. Le plaisir du spectacle d'une course, il est augmenté quand on parie sur cette course. Et aujourd'hui, on a des courses formidables, mais force est de constater que quand on ne connaît pas notre activité, qu'on arrive sur un de nos hippodromes, c'est pas toujours évident de s'y retrouver pour quelqu'un qui ne connaît pas notre activité s'il n'est pas pris par la main. Donc il y a un parcours client à travailler, un parcours prospect à travailler, et c'est sur ces sujets-là qu'on va surtout essayer de travailler, en parallèle bien évidemment de toute l'attention. Il y a le plan propriétaire qui a vu le jour l'année dernière, que nous voulons porter encore plus, et je l'ai encore entendu par, je pense, une personne dans la salle ici hier. On voit aujourd'hui de nettes améliorations dans l'orientation client vis-à-vis de nos membres propriétaires et de tous les acteurs des courses dont vous faites partie. Je pense que vous avez vu hier plus de 8000 personnes sur l'hippodrome. Donc on a, je pense, un ensemble qui vit avec des gens heureux, qui vivent un beau spectacle. Il y a des choses encore à développer sur ces parcours. Et le point de départ, comme tu le disais Guillaume, c'est de se dire que le jour où on aura encore plus de monde sur nos hippodromes, un hippodrome vide pour un propriétaire, ça ne donne pas fort envie. Donc pour donner envie aux propriétaires d'investir dans des chevaux, il faut que nos hippodromes soient des moments d'émotion, de vie, de fête. Et donc on va tout mettre en œuvre pour les rendre encore plus festifs, encore plus agréables, pour avoir encore plus de monde sur les hippodromes, pour que derrière les propriétaires investissent encore plus dans l'achat de chevaux pour les voir courir sur nos hippodromes. Et derrière, créer ce cercle vertueux, plus de propriétaires, plus de partants, plus de chevaux à l'entraînement, plus de paris, plus de courses à un nombre de partants importants. Et derrière, recréer ce cercle vertueux. Voilà tout le sens de ce plan que nous essayons de construire et qu'on espère, en tout cas, voir
construit pour le mois d'octobre, effectivement. Voilà. Je ne sais plus où est notre président, il est là. Ouvert à d'autres questions ou de préciser certains éléments sur cette question-là, si vous le souhaitez. S'il y a des questions ? Oui, bonjour, Louis Lafitte, président des éleveurs du Sud-Ouest. Ça fait 2 ans que ma nouvelle équipe, nous avons essayé de porter une réflexion sur la situation de l'élevage chez nous, qui est assez compliquée. Et déjà l'année dernière, nous avions mis en place une journée de l'élevage. Nous étions allés sur le site de Pompadour. Voilà, c'était une première chose. Et cette année, nous avons fait la même chose sur le site de la Teste. Nous avons réuni, invité la plupart de nos adhérents à participer, à venir, mais en invitant soit des amis, des voisins, des gens qui ne connaissaient surtout pas notre filière. Donc, dans cette journée-là, nous avons eu des parieurs, nous avons eu des utilisateurs de chevaux de sport, et nous avons eu un ensemble de gens qui ont, en fin de compte, connu un peu notre système, qui n'était pas quand même évident. Voilà, donc nous avions sollicité, mais c'est vrai que l'été, ce n'est pas évident d'avoir. Nous avons sollicité France Gallo, la plupart des PMU, pour participer à cette journée, pour essayer d'éclairer ces gens, pour essayer de les faire venir, sachant plus que nous recherchions spécialement un peu plus l'élevage. Mais c'était le cas aussi de pouvoir avoir aussi des nouveaux propriétaires qui comprennent un peu notre système. Voilà, c'est juste un appui à votre exposé. Merci, félicitations. Je pense qu'on n'y arrivera pas seul, donc c'est toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là qui permettront d'y arriver. Bonjour, Pierre Bellaïche. J'ai 2 questions, une à Monsieur de Saint-Seine et une à Madame Malcaz. Monsieur de Saint-Seine, je voudrais que vous me disiez ce que devient la parité trop galop, c'est-à-dire le 50-50 qui a toujours existé et que j'ai toujours connu, depuis que Jean-Pierre Barjon l'a fait sauter en éclats et a prélevé 2,6 millions d'euros indûment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez rattraper cette parité trop galop, essentielle, qui est essentielle. Pour Madame Malcaz, Le mois de juillet a été désastreux. Et à ma connaissance, on est en dessous des 2%. Et à la fin de l'année, je ne crois pas me tromper, mais on va arriver à 825 millions. Et je me demande comment vous allez redonner les 838 millions. Ça, c'est. Ensuite, pourquoi vous gardez le Big 5 qui sert strictement à plus rien? La question du jour, encore moins. Bon, le Quintet Plus, vous en avez parlé, il est en décroissance, alors que vous l'avez prévu en croissance, il est en décroissance de 5%. Et quant à l'innovation, la dernière innovation, c'était Stable, et vous avez fait perdre à la filière 6 millions d'euros. Voilà, avec tout ça, j'ai tout dit. Merci. Monsieur Bellaïche. Président. Merci. Je pense, d'abord, je suis, et Jean-Pierre Barjon aussi, attaché au 50-50 et au travail sur un programme équilibré. Les discussions qui ont lieu en ce moment entre nous, vous ne pouvez pas dire qu'il a fait sauter le 50-50. Il y a des discussions qui ont lieu entre nous, dans l'institution, sur des aspects de l'accord de 2018 qui étaient imprécis. Imprécis. Voilà. Si vous me permettez, cette négociation n'étant pas terminée, je voudrais la garder confidentielle entre le trot et le galop. Mais évidemment, je suis avec les équipes de France Galop extrêmement ferme sur la façon dont je vois les choses pour l'équilibre du programme et pour la pérennité de notre développement commun. Voilà. Donc je travaille sur le développement du gâteau, qui me paraît presque plus prioritaire que la façon dont il est réparti.
Mais voilà, les discussions sont en cours. Permettez-moi de garder cette négociation et de ne pas la mettre sur la place publique. Alors, il y avait deux éléments dans votre question. Donc, la première, c'est sur l'activité, le pilotage de l'activité. Vous avez parlé du mois de juillet. On avait prévu moins 5, on fait moins 3. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, quand on pilote un business, on est obligé de prendre en compte les effets conjoncturels, les effets de marché. D'accord ? Juillet, il y avait deux éléments qu'il n'y avait pas l'année dernière. Il y avait l'euro et il y avait les JO. Ces éléments impactent fortement notre activité. Donc, quand on pilote le business, quand on annonce 838, on prend en compte ces éléments. Juillet, on devait faire moins 5, on fait moins 3. Pourquoi on fait moins 3 ? Parce que l'euro, pour le coup, a eu moins d'engouement que prévu, il faut le dire. Il y a eu un effet moindre négatif sur l'euro que ce qu'on avait prévu, mais un effet plus fort sur les JO. Donc, au final, on finit à moins 3, mais on avait prévu moins 5. Donc, vous voyez que par rapport aux 838, on prévoit des mois en croissance et des mois en décroissance en fonction de l'activité du marché et ce qui se passe dans notre marché du jeu d'argent et du loisir. Donc, je l'ai déjà dit, je vous le redis, 838 millions d'euros, c'est ce qui a été annoncé et ça prend en compte les effets que sont les JO ou encore l'euro. Ça, c'est sur le premier élément. Sur le dernier élément, quand on innove, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins. Vous avez cité les choses qui ont moins bien marché, il y a des choses qui marchent, mais que vous n'avez pas citées. Les boosters, on fait 1,3% d'enjeux de plus, fois 1,3 les enjeux. Les super samedis qui marchent très bien. Le quintet, je l'ai expliqué, marche pas bien sur l'offline, lié au fait qu'en parallèle, malheureusement, on a une dégradation des rapports, mais plus 5% sur le online et 25% de taux d'adoption, c'est un succès. Donc, voilà, il y a des innovations qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, c'est la règle du jeu. Donc, voilà, mais ce que je dis toujours, c'est qu'on ne doit pas, pour autant, ne pas innover. Quand on innove, on est obligé de tester, et encore une fois, il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Gilles Barbarin, bonjour, retraité. Pour en revenir au Big 5, qui est un très beau jeu, qui est un super jeu même, merci de l'avoir créé. Pourquoi il ne marche pas ? Il faut peut-être se poser les questions, pourquoi il ne marche pas ? Il y a peut-être les choix des courses, il y a peut-être le choix de le mettre à 10% aussi. Bon, après de le mettre sur le dur ou sur Internet, peut-être aussi. Mais quand on prend hier le choix des courses, en mettant le prix romanais avec Marquise de Sévigné, quand on le met à 10%, pour des gens qui jouent un peu d'argent, on n'a pas besoin de mettre beaucoup, à 10%, on met 50 euros, on peut en mettre 10 dans une course, 3 dans l'autre. Voilà, moi je pense que c'est un beau jeu, mais ce qui fait rêver les parieurs, c'est aussi une grosse somme, enfin, des rapports conséquents. Bon, ça c'est une chose. J'ai aussi d'autres questions qui concernent les parieurs et l'éducation des parieurs, ça incombe à qui ? Aux opérateurs de Paris, ça incombe à Equidia, ça... Voilà. Je trouve qu'on a des parieurs qui sont de moins en moins, des parieurs intelligents. C'est-à-dire les gens ne font plus le papier maintenant. Ils jouent des jockeys, ils jouent des numéros. Après, on joue comme on aime, je sais. Mais c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien qu'on explique aux gens comment jouer, quelles sont les différentes formes de paris, quelles sont... Enfin, vous voyez, hein, et plutôt que de passer la grandeur pendant... Enfin, j'ai regardé Equidia, la grandeur qui passe en ce moment sur... Je ne sais pas si c'était Pieux ou Soumillon, enfin bref. Je ne pense pas que ça soit très approprié. On pourrait faire peut-être des tutos ou des gens qui expliquent comment jouer. Et voilà. Enfin, c'est mon avis. Et je le partage. Alors, plusieurs éléments. D'abord, sur le Big 5, vous avez raison, Yo. La question de est-ce qu'il faut le mettre sur le offline, est-ce qu'on peut faire alternance, trop galop, c'est des questions qu'on se pose. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on a évoqué avec Richard, il faut changer le système informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire le type d'adaptation dont vous parlez, c'est plusieurs millions d'euros, c'est beaucoup de mois de délai. Donc, c'est des choses qu'on pourra faire quand on aura un nouveau système d'informatique beaucoup plus agile, parce que sinon, le retour sur investissement n'est pas gagné, parce que ça nous coûte aujourd'hui très cher d'adapter un nouveau pari avec notre système informatique actuel, ce qui ne sera plus le cas fin d'année, même milieu d'année 2026. Ensuite, sur votre question des parieurs. Alors déjà, la première chose, je pense qu'on est tous ici obsédés par ça, c'est recruter de nouveaux parieurs.
Ça faisait 10 ans qu'on était en décroissance, ça fait déjà 2 ans qu'on recrute, mais pas assez. On recrute 100, 150 000 nouveaux parieurs par an, c'est pas assez, parce que chaque année, on en perdait des centaines pendant 10 ans. Donc, il faut qu'on élargisse. Il faut qu'on ait des clients occasionnels comme des turfistes. Après, quand vous dites à qui ça incombe à nous tous, en fait. Ça incombe à nous tous parce que sur les hippodromes, c'est le lieu par excellence de recrutement, de formation. Vous avez raison, l'initiation au pari avec des stands dédiés. Equida, bien évidemment, est un outil majeur. Donc, je vais laisser Pierre et je ne sais pas, Elie aussi, si tu veux compléter. Mais on a tous le même objectif qui est il faut absolument élargir nos parieurs. Vous avez raison, il faut initier, mais il faut aussi accepter ceux qui jouent différemment. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est surtout recruter plus. Et donc, c'est en alliant nos forces à nous tous qu'on arrivera à le faire, des actions communes dans nos points de vente, dans les hippodromes et aussi via Equidia. Oui, je ne vais pas faire de polémique facile, mais finalement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est nous tous, y compris les journalistes. Je pense qu'on peut tous s'y mettre, effectivement. Déjà aujourd'hui, pour le dispositif qui est présent sur l'hippodrome, vous avez certainement vu qu'il y a un kiosque où les gens peuvent venir chercher toutes les informations nécessaires. Il y a de l'affichage avec des QR codes, avec déjà pas mal d'informations disponibles pour les parieurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut encore aller plus loin. Je pense que l'idéal, vraiment, c'est d'être accueilli dans un hippodrome en ayant comme premier réflexe « Bonjour, on est heureux de vous voir là et comment on peut vous aider pour vous faire comprendre, simplifier peut-être notre programme hein, ?» Parce que pour un... en fait, le point de départ, et là, je pense que c'est un point essentiel, c'est que, évidemment, l'activité de Paris, elle a une certaine forme de complexité. Et quand on a quelqu'un qui ne connaît pas, il faut commencer par le simple, il faut commencer probablement par du gagnant placé et puis tout doucement évoluer vers d'autres choses. Mais donc il faut initier et on a un rôle tous, comme tu l'as dit Emmanuel, là-dedans. Et je suis preneur de toutes les bonnes idées dans la construction de ce plan pour voir tout ce qu'on pourrait faire mieux ensemble en tout cas. Tu veux compléter pour Equidia ? Vous voulez Richard ? Je voulais juste apporter un commentaire avec un regard analytique sur finalement le comportement du Français vis-à-vis du jeu. On a 30 millions de Français qui jouent. On a 3 millions de Français qui jouent chez nous. Et on en a 27 qui n'ont jamais joué ou ne jouent plus chez nous. L'un de nos enjeux, c'est collectivement comment on va faire pour que ces 27 millions de Français, petit à petit, aient envie de jouer. De temps en temps, une fois, etc. Mais si on se dit que les 30 millions de Français qui jouent à des jeux dits plus basiques, ils font 20 à 30 milliards là-dessus quand même. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils font en moyenne 800 euros par an avec des jeux basiques. C'est bien inférieur, il est exact que c'est bien inférieur aux paris hippiques qui sont à des niveaux bien supérieurs, mais avec plutôt des gens experts. Notre enjeu va être, est-ce qu'on arrive à faire monter les gens experts assez rapidement ou est-ce qu'on a la capacité de créer et d'innover des jeux qui vont nous permettre d'acquérir de manière significative un volume de parieurs, même occasionnel, mais qui permet de faire grossir la masse. C'est un enjeu complexe, parce que quand on veut faire les deux, ben on en satisfait généralement plutôt l'un que l'autre. Il nous reste à définir probablement des catégories de jeux pour des jeux occasionnels simples et des catégories de jeux plus sophistiquées, plus complexes pour des gens plus experts. C'est comme ça que je pense que l'on peut regarder ce qui se passe sur le marché et de se dire comment faire pour arriver à satisfaire les deux à travers un même jeu. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Je pense que c'est une combinaison de jeux qui vont nous permettre d'atteindre un peu notre objectif derrière. Voilà le commentaire que je voulais juste rajouter. Excuse-moi. Non, simplement trois points. Le premier, c'est que moi aussi, je suis obsédé par le fait de servir au mieux les acteurs de l'institution, puisque quand l'institution se porte bien, nous nous portons bien, sachez-le. Le deuxième, c'est qu'en télévision, il y a un principe qui s'appelle les temps faibles et les temps forts, et que sur certains temps faibles, les programmes auxquels vous faites référence, c'est plutôt le matin, voire assez tôt en matinée. Il faut les occuper, et on les occupe traditionnellement, traditionnellement, de façon optimisée, et intelligente par ce qu'on appelle des programmes de stock. Et le troisième point, c'est que, et ça c'est un sujet sur lequel on travaille au quotidien, et je pense qu'il y a de la pédagogie à faire aussi sur celui-ci, c'est que la conquête, elle se fera essentiellement en dehors de la chaîne Equidia. La chaîne Equidia, elle s'adresse aujourd'hui, elle est référencée par
vous tous qui connaissez parfaitement l'institution et par, ça ressort des études, hein, les clients et parieurs réguliers, donc déjà acquis. Voilà. Et sachez que sur la conquête et sur la pédagogie et sur les programmes de tutoriel, nous sommes déjà très actifs et je vous en reparlerai et je vous inviterai à regarder ce qu'on fait sur les supports numériques et sur les réseaux sociaux. Mais le business, vous avez parlé des publics, le client par ailleurs, le client hippodrome, l'expérience hippodrome est vraiment au cœur de ce que nous visons à faire et de ce que les équipes d'Ash Racing Media et d'Equidia visent à faire au service de l'institution. Bonjour André Michel, je suis à la tête d'une structure familiale qui s'appelle l'Écu Michel 6. Je suis absolument incompétent en matière de jeu, mais j'ai une question pour le PMU malgré tout. Vous avez parlé tout à l'heure, et j'avais lu dans la presse, dans JDG, que vous excluiez effectivement GPI du Quintet. Est-ce que cette exclusion peut avoir ou a eu des influences négatives sur d'autres jeux, sur une autre partie, sur un report de financier sur d'autres jeux? Ou en clair, est-ce qu'ils vous ont dit, bah, puisqu'on ne peut plus jouer chez vous, on va aller jouer ailleurs et puis sur d'autres courses? Ou est-ce que l'influence n'est pas, est plutôt positive aux joueurs français sans être négative pour le PMU? C'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on a annoncé au GPI qu'on allait arrêter le Quintet, ils nous ont dit, bah, du coup, on va vous sanctionner, on va aller jouer ailleurs dans les autres marchés, en Asie, aux États-Unis, etc. Mais on arrêtera de jouer chez vous. En pratique, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'en fait, ils ont leurs modèles qui sont aussi ajustés aux chevaux, aux courses françaises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait, c'est qu'à chaque fois, ils nous menacent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs actions. Et par ailleurs, ce qu'on ne voulait pas non plus à l'inverse, c'est qu'ils jouent plus sur les autres paris, puisque sur les autres paris, ils sont capés. Donc pour chacun des paris, ils ont des taux de montant d'enjeu maximum. Et donc bien évidemment, on n'a pas touché à ces plafonds pour pas que les autres paris soient impactés négativement, parce que du coup, ils viendraient impacter les rapports des autres paris. Donc aujourd'hui, on a 18 jours de recul, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas baissé les enjeux des autres paris, ils n'ont pas augmenté non plus, ce qui est ce qu'on voulait. Donc on va suivre ça de près, parce qu'encore une fois, on n'a que 15 jours d'écart, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'impact négatif ou de surjeu, ou alors carrément d'avoir arrêté leur jeu sur les autres paris. Pour compléter ce que dit Emmanuel, juste un point. Il faut bien comprendre aussi que le sujet des GPI était épinglé par la Cour des comptes qui, en fait, à travers cette approche-là, était très gênée par le fait que, grosso modo, dès l'instant que c'était des paris étrangers, ils perdaient une partie de la fiscalité. Donc l'État français avait un regard très tendu sur le sujet des GPI. Mais au-delà de ça, donc, c'était quelque chose aussi qu'on avait comme une épée de Damoclès pour nous sur les GPI. Mais GPI ou pas GPI, la question est-ce que des grands parieurs avec des modèles mathématiques sont capables d'être plus performants que le parieur occasionnel? La réponse est oui, qu'il soit national, international ou autre, etc. La seule chose, c'est que les GPI le font de manière industrielle, excessivement sophistiquée, jusqu'à utiliser de l'intelligence artificielle et arriver à un modèle où, grosso modo, ils ne perdent plus. Et donc, s'ils ne perdent plus, c'est que les autres perdent. Et donc, ça veut dire que finalement, il n'y a plus que quelques élus qui ramassent la mise versus les autres. C'est ça qui est l'enjeu qu'Emmanuel a essayé d'expliquer à travers la décision collective, avec l'aval du Conseil, d'arrêter les GPI sur le Quintet, parce que le Quintet, c'est une combinaison complexe, mais avec des rapports très importants. Voilà. J'ai envie de dire, tout gros parieur qui gagne est un irritant pour celui qui perd. C'est un truc de base. Donc, bien évidemment, à partir du moment où il y en a certains qui gagnent plus souvent et de manière plus régulière, les autres se plaignent de celui qui gagne le plus souvent. D'ailleurs, dans le cadre d'activités où il y a des gens qui, avec les dés, gagnent plus souvent que les autres, on pense que les dés sont pipés. Et évidemment, ça ressort à chaque fois. Bonjour. Concernant Equidia, je trouve de manière générale que les programmes sont très bien faits et les commentaires en direct sont très bons. Deux petites remarques. Une, j'ai remarqué assez souvent que quand c'est la dernière course de la Réunion, à peine le cheval gagnant a-t-il passé le poteau d'arrivée, qu'on a l'impression que les commentateurs et que tout le monde s'en va et que là on coupe, c'est fini. Je trouve que c'est un peu cavalier. Enfin, ça peut paraître un peu cavalier à l'égard des propriétaires ou entraîneurs. C'est une petite chose.
Et l'autre chose, je n'arrive pas à comprendre, peut-être que je suis trop ignorant en informatique, pourquoi le système de tracking est si fantaisiste? Pourquoi si souvent on voit un cheval qui apparaît clairement en tête à l'écran et clairement en dernière position sur le système de tracking? Ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci pour vos observations. Alors pour la première, je prends note, je regarderai de près, mais encore une fois, sincèrement, c'est une des complexités de notre activité, c'est que j'évoquais tout à l'heure le fait que nous traitions en moyenne 10 heures de direct par jour, et donc c'est un équilibre pas simple à trouver et qui va presque jusqu'au droit du travail, pour tout vous dire. Donc, mais je prends note parce que généralement, et j'en profite pour les remercier, on a des équipes qui sont impliquées et passionnées, donc on a plutôt envie d'en faire plus que pas assez, mais je regarderai ça de près. Après, sur le tracking, je vais laisser Élie compléter, mais il y a un sujet, notamment de fiabilité du tracking, sur lequel nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois pour l'institution, avec pour ambition et enjeu de le fiabiliser à 100%, parce qu'au-delà de ce qu'on propose aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure la donnée, le jour où on a un tracking 100% fiable, ça nous ouvre un champ des possibles assez très très important en matière de service, que ce soit vis-à-vis de vous sur les chevaux, comme évidemment vis-à-vis du parieur. Mais c'est vrai que c'est un sujet et il n'est pas simple à gérer aujourd'hui, notamment nous à l'antenne, lorsque le tracking décroche et comment le piloter. Mais nous sommes dessus. Voilà. Sur la première partie de la question, bien la preuve qu'on essaye de vraiment travailler ensemble. Intuitivement, peut-être nous, je veux dire, hommes et femmes de cheval, on aime avoir un commentaire d'après-course. Et il faut avoir en tête que probablement que la grande majorité des parieurs, n'est-ce pas Emmanuel, vont vouloir s'intéresser à la course d'après. Donc il y a aussi une logique parfois de temps aussi qu'il faut qu'on essaye de réduire. Des débats qu'on a par exemple, qu'on a un sujet dont on doit encore parler, il y a le cheval émetteur dans certaines épreuves par exemple qui retarde le retour au rond de présentation. Alors nous on aime ça parce qu'on aime avoir l'impression du jockey immédiate, mais le parieur lui il a envie d'avoir les rapports le plus vite possible pour pouvoir éventuellement engager un pari dans la course suivante. Donc il faut qu'on regarde et qu'on pèse les irritants des uns et des autres pour trouver des solutions qui vont dans l'intérêt de l'institution. Et c'est ce qu'on essaye de faire ensemble aujourd'hui. Par exemple, raccourcir le délai qui nous, peut-être un peu moins par ailleurs pour certains d'entre nous dans la salle, et peut-être un peu plus intéressés à la performance et aux commentaires, va falloir se dire qu'il va falloir faire le trade-off entre peut-être un peu moins de commentaires pour plus rapidement avoir des rapports. On réfléchit avec Henri à peser les jockeys plus rapidement pour que le rapport soit affiché définitif plus rapidement. Donc, c'est peut-être des choses que nous, on pourrait paraître, que quand on regarde avec un œil un peu moins parieur, peut-être comme pas positives, mais qui sont en réalité pour le parieur des choses positives. Pour le tracking, on n'est pas content de ce qu'on a comme résultat aujourd'hui. On a convoqué avec Henri l'entreprise qui gère le tracking, McLeod, il y a quelques semaines, mois. Et on a donc, ils nous avaient garanti un retour à la normale. Donc il y avait des défauts sur leur boîtier. Vous savez qu'ils sont fortement, ils sont sur le tapis de sel aujourd'hui. Et donc les tapis, ben, il y a de la transpiration, ils bougent. Les boîtiers, ils sont secoués à du 60 km/h plusieurs fois dans la journée. Ils ont dû remplacer une grande partie de ces boîtiers. Ils nous avaient promis un retour à la normale pour juillet. Manifestement, ces derniers jours, il y a encore eu quelques erreurs et quelques boîtiers défaillants. Donc ça ne nous satisfait pas du tout et on a convenu avec les équipes de Pierre qui ont une certaine expertise dans le domaine pour analyser, faire vraiment un contrôle qualité, pouvoir les challenger encore plus fort. Et puis avec eux, on a aussi réfléchi à de l'innovation. Alors là, vous savez, il y a deux boîtiers sur les deux côtés du cheval. Dans certains pays, comme en Afrique du Sud, le boîtier est sur le jockey. Sur le dos du jockey. Donc il y a des innovations qui ont été mises en place pour améliorer la fiabilité. Alors c'est des choses qu'on n'a pas encore discutées. J'ai pas dit qu'on allait faire ça en France, loin de là. Mais en tout cas, je voulais simplement vous dire qu'il y a des discussions qui sont en cours et qu'il y a un challenge qui est en cours sur la qualité du tracking qui aujourd'hui ne nous satisfait pas.
Pierrick Rouxel. Excusez-moi, je rebondis parce que Élie, mais c'est important. Donc effectivement, sur le tracking, on a mis en place un système de contrôle qualité et on travaille en lien directement avec McLeod aujourd'hui sur des expérimentations et des réflexions pour évidemment avoir un objectif simple, c'est 100% de fiabilité. Mais je reviens sur votre remarque sur le, parce que vous évoquiez spécifiquement la dernière course. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Mais Élie apporte une précision extrêmement importante. Sachez que sur la chaîne Equidia, on est extrêmement timé. Et qu'effectivement, l'enjeu, il est d'aller très vite sur la suivante, parce que c'est plus tôt on est sur la suivante, plus les enjeux sont importants. En revanche, et c'est un, je parlais tout à l'heure de l'amélioration continue de nos produits, on a un produit absolument formidable aujourd'hui, notamment via l'application et le site, ce sont les canaux Racing, qui eux sont dédiés à chaque réunion. Et là, logiquement, on adresse le parieur, mais on adresse aussi l'ensemble de l'institution. On doit avoir plus de temps. Donc, sur les canaux racing, on a plus de temps, mais je prenais quand même votre remarque par rapport à cette dernière course qui était peut-être liée aux contraintes horaires que nous pouvons avoir. Oui, bonjour. Pierrick Rouxel, je suis le président de l'ASELCO, l'Association des éleveurs de l'Ouest. Je voulais revenir sur la pédagogie des paris et qui n'est pas dissociable, à mon avis, de la pédagogie des courses en général. Et de l'élevage. Je voulais juste vous dire que ça serait bien de prendre les bonnes idées à l'international partout où elles sont. J'ai eu la chance d'aller faire un petit voyage au Japon et nous étions à Tokyo le jour du derby où il y avait à peu près 110 000 spectateurs. C'était absolument impressionnant. J'ai remarqué que, entre autres, les tableaux d'information sont immenses, bien sûr, à l'échelle des tribunes, mais que de nombreuses informations sont capitales maintenant pour les parieurs. Par exemple, le poids des chevaux. Les chevaux sont pesés en arrivant sur l'hippodrome et immédiatement sur les tableaux devant chaque cheval vous avez le plus 2 moins 3 etc. qui correspond au poids de la précédente course qu'il avait couru. Ça permet aux parieurs d'établir un poids de forme pour chaque cheval et c'est une indication très importante. Je pense qu'il faudrait pouvoir le faire sur Equidia et sur les tableaux informatifs dans les courses. Et d'autre part, j'étais bluffé par l'attention qui est portée à la pédagogie des très jeunes, c'est-à-dire des enfants et des teenagers. Il y a offert une gamme incroyable de mangas qui sont sur les chevaux, sur l'élevage du cheval, sur des histoires qui nous paraissent vraiment intéressantes pour les petits, parce qu'on a tendance à voir nos parieurs évidemment baisser en catégorie d'âge, prendre de l'âge. Et le renouvellement se fait mal. Et je pense qu'ils ont compris ça au Japon. Et ils sont très, très proactifs par rapport à ça. Voilà. Merci. Alors, on a la chance d'avoir chez France Gallo un globe-trotteur qui a été sur tous les hippodromes quasiment de la Terre entière. Presque. Donc, on a évidemment de riches informations. Et je te laisserai compléter, Henri, si tu veux venir au pupitre aussi. Plusieurs choses. La première... on a, et la terre entière nous envie, des jeunes qui viennent sur nos hippodromes. Les jeudis sont un grand succès et les équipes de Delphine ont fait un gros travail cette année pour que ces jeunes, la moyenne d'âge est entre 18 et 25 ans, il y a un gros travail qui a été fait avec l'application PMU+, avec toutes les bornes. Donc je peux vous garantir, sur les derniers jeudis, ils pariaient, ils s'intéressaient, ils venaient au rond. On a vraiment travaillé le dispositif pour que les gens viennent plus tôt et ne viennent pas pour s'intéresser aux courses, et on fait énormément de pédagogie autour de ça. Et ça, je pense que même Hong Kong nous envie sur le sujet, parce que la moyenne d'âge, le Happy Wednesday, est largement au-dessus de la nôtre. Et on va étendre les jeudis à l'avenir à ce genre de dispositif pour faire venir des jeunes aux courses qui reviennent. On a la stat, on les invite sur d'autres événements, et ils viennent au jeudi, et ils reviennent aux courses par après.
On peut vous partager les statistiques, donc c'est plutôt un succès sur tous les plans. Alors, dans les travaux qu'on a faits, d'information aux parieurs, par exemple, c'est Henri qui avait eu l'idée, il y a plus de 300 initiatives qui ont été listées. On ne va pas pouvoir toutes les mettre en œuvre, on va les budgéter, et la pesée des chevaux, qui se fait dans certains pays asiatiques, fait partie de nos intentions. Monsieur Pourré ? Il y avait d'autres idées, mais vas-y, peut-être complète. Non, bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Effectivement, dans le cadre de cette réflexion, on envisage toutes les possibilités visant à améliorer l'information des parieurs. Alors, on se heurte aussi parfois à la complétude des données, puisque avoir cette information-là de manière isolée est une première étape, mais ce qui intéresse particulièrement le parieur, et je vois Gilles Barbarin au fond de la salle en particulier, c'est d'avoir des données qui soient les plus fiables possibles et les plus complètes possibles. Donc justement, cette question de la pesée des chevaux est une information, mais se pose la question bien évidemment de la mise en œuvre. Et puis il y a tout un tas d'autres mesures qui s'inspirent de ce qui existe à l'étranger. Mais nous avons aussi d'ores et déjà un certain nombre de dispositifs qui sont communiqués à destination des parieurs et que d'autres pays nous envient. Une autre initiative qui est très 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 demandée par tous les parieurs, c'est de voir les chevaux, que ce soit sur Equidia ou sur l'hippodrome plus longtemps. Donc c'est aussi une piste de réflexion qu'on va entamer avec les entraîneurs, de présence au rond plus longue. Je pense qu'à Hong Kong par exemple, c'est 16 minutes de présence au rond de présentation avant la course. Voilà, c'est des sujets qu'on travaille. Et qui sont demandés par d'autres pays qui prennent des paris sur les courses françaises. On a cité tout à l'heure Hong Kong. Emmanuel me rappelait à l'instant, effectivement, que les chevaux tournent très longtemps au rond de présentation. Et vous l'aurez sûrement observé, le rond de présentation, en particulier de Châtine, a été construit pour que les spectateurs, mais aussi les téléspectateurs, puissent voir les chevaux longtemps et de manière extrêmement facile pour préparer leurs paris. Et là aussi, ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Alors, on a déjà mis en œuvre pour améliorer, et avec le concours des équipes d'Equidia et du GTHP, pour assurer cette présentation dans le cadre de cette prise de paris. Mais le sujet du temps passé dans le rond de présentation est un sujet extrêmement important pour que justement l'ensemble des parieurs et bien évidemment des spectateurs et passionnés de course puissent voir les chevaux dans de meilleures conditions. Oui, bonjour, Philippe Faucampré, président du syndicat des propriétaires. J'ai une question pour Equidia. Vous avez fait tout à l'heure une présentation de tous vos diffuseurs, ce qui est sympa, très bien. Mais est-ce que dans le circuit actuel, avec la refonte de la TNT, quelqu'un de chez vous a pensé éventuellement de demander le canal 19 qui n'est attribué à personne ? Et auquel cas, là, on aurait, on va dire, des zappeurs qui tomberaient sur Equidia. Voilà. Je vais répondre à la place de Pierre, parce qu'en fait, j'étais voir l'ARCOM pour le canal 19. Et le canal 19 a été distribué, mais pas utilisé. L'ARCOM n'envisage pas de donner le canal 19 à Equidia. Ils ont donné une réponse claire. Si, bien sûr, ils m'ont dit pourquoi. C'est que comme Equidia est une chaîne à caractère commercial principalement, entre guillemets, puisqu'il y a derrière les cotes, etc., etc., ils ne se sentaient pas poussés à ce que cette chaîne soit une chaîne commerciale, entre guillemets. Ils ont suggéré, je vais aller au bout du bout, je vais vous donner les discussions qu'on a eues, ils ont suggéré qu'on déploie une chaîne à caractère agricole, entre guillemets, dans lequel ils toléreraient 5% de commercial. Et la création de ça, et le maintien de ça, et le maintien d'une chaîne de cette nature, a un bilan, si elle ne fait que 5% de commerce par rapport à 95% de, je dirais, de culturel. La rentabilité pour la filière n'était pas évidente, et avec les maisons mères, on a décidé de ne pas y aller parce que économiquement, ça n'avait pas de sens. Mais on a imaginé le canal 19, ça aurait été un grand plaisir plutôt que d'être dans la chaîne 180 ou autre. On est d'accord.
Oui, bonjour, Alain Kunzmann, membre du syndicat des propriétaires. J'aurais une petite précision à apporter sur la parité Trougalo. Elle existe sur les enjeux offline, mais pas sur les enjeux online. C'est peut-être ce qui a incité M. Barjon à essayer d'enfoncer un peu plus le clou. Sur les enjeux du PMU, je pense qu'il y a deux facteurs importants, le montant global des enjeux, mais également la profitabilité de chaque euro joué. Alors quand on prend deux années distinctes, par exemple 2011 et puis 2022-2023, on s'aperçoit qu'on a le même montant d'enjeux, 10 milliards d'euros. On a le même résultat final du PMU, environ 845 millions d'euros. Mais entre les deux, il y a une baisse des charges de 100 millions d'euros et il y a une baisse en fait des prélèvements d'État de 150 millions d'euros. Donc 250 millions d'euros de résultats normalement, de charges en moins, de résultats en plus. Ce qu'on ne retrouve pas effectivement dans le résultat de France Gallo, du PMU. Donc ça veut dire que la profitabilité des enjeux entre 2012, etc., 2011 et 2023 a considérablement baissé. Est-ce qu'on sait pourquoi? Et est-ce que vous avez un moyen de remédier à cette baisse de profitabilité? Alors, effectivement, il y a une baisse de profitabilité pour une raison. La principale raison, c'est que depuis 2010, alors on a enfin arrêté ça, mais vous savez qu'il y avait une décroissance forte des enjeux France. Donc, quand vous comparez le montant d'enjeux total, il faut voir le mix international France, puisque ce n'est pas du tout le même niveau de marge quand c'est des enjeux à l'international et en France. Donc ça, c'est la première explication majeure, c'est qu'on ne peut pas regarder au total, il faut bien regarder la France versus international. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs années? C'est qu'on a une forte croissance à l'international, notamment depuis les 3-4 dernières années, mais par contre, on a eu depuis 2010 une forte décroissance des enjeux France. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le mix Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte augmentation du simple par rapport au quintet, d'où l'enjeu de retrouver une dynamique sur le quintet, et le quintet est plus margeant que le simple. Donc c'est l'effet mix international France versus mix Paris. Donc c'est bien pour ça que c'est une très bonne nouvelle qu'on ait la croissance internationale, mais qu'il faut retrouver de la croissance en France en recrutant des nouveaux joueurs en France, et ensuite sortir des offres avec des taux de rentabilité plus forts. Donc en fait, excuse-moi, donc l'augmentation du simple est déficitaire au niveau effectivement du PMU puisque le retour aux joueurs est beaucoup plus important. Par contre, la profitabilité est un peu supérieure puisque le prélèvement d'État qui se fait maintenant sur le produit brut des jeux va être favorable. Alors c'est pas si simple. C'est-à-dire que si vous regardez le niveau de profitabilité pur du pari, effectivement le simple est moins rentable, d'où les taux de marge qui baissent. Mais en revanche, le simple a un très fort effet positif de recyclage. C'est-à-dire que vous recyclez les gens qui jouent sur du simple, on rejoue davantage que sur d'autres produits comme du quintet. Donc en fait, au bout du bout, et là je rentre un peu dans des détails du technique, mais au bout du bout, en fait, le niveau de rentabilité du simple est supérieur ou quasi équivalent au quintet, même légèrement supérieur au quintet, parce qu'en fait, si on prend en compte l'effet recyclage, à long terme, c'est un effet positif. Ensuite, en court terme, en marge pure, le simple est moins margeant que le quintet. Si je devais compléter une remarque de manière macro, 2010 aujourd'hui, si vous oubliez les euros, le vrai sujet, c'est passer de 6 millions de clients à 3 millions et quelques. Et c'est ça le vrai sujet, parce qu'en fait, l'international a masqué ce phénomène, et le simple a masqué aussi ce phénomène, puisque comme il y a du recyclage, ça fait du volume, mais à la fin du fin, le nombre de parieurs a baissé, et grosso modo, le montant d'argent qui circulait réellement a baissé. C'est ça qui est l'enjeu majeur entre les deux périodes. Ce qui est très important, que dit Richard, c'est qu'on a perdu la moitié de nos clients en 15 ans. Hein. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on a arrêté de perdre des clients. Mais de 2010 jusqu'à il y a 2 ans, on perdait massivement des clients. On a perdu en 15 ans la moitié de nos clients. C'est ça, c'est pour, d'où l'urgence de recruter de nouveaux joueurs. Et juste pour revenir sur le début de vos propos, qu'il n'y ait pas de malentendu, et je sens, comme Guillaume l'a dit, rentrer dans le détail maintenant de ce sujet-là. Mais donc online, offline, c'est du chiffre d'affaires global du PMU et jusqu'à aujourd'hui, on était bien sur un rééquilibrage qui se faisait sur les deux. Bien sûr que si. J'ai dit bêtise. Je suis désolé, monsieur, mais non.
je vous confirme qu'il y a un rééquilibrage sur les deux. Trois sujets. Le premier, je le dis publiquement, parce que je l'ai dit en arrivant, Equidia, ça faisait 2 ans que je demandais qu'on pouvait voir les courses, mettons, de Deauville toute la journée sur notre télé. Vous avez fait un travail remarquable. Aujourd'hui, on peut suivre les courses à Dax toute la journée. Félicitations, c'est très bien. Deuxième sujet, France Gallo. J'ai découvert quelque chose cette année. Moi, j'ai élevé des chevaux pendant 20 ans sous le nom de la SAS Régnier. J'ai vendu mon entreprise en 2018. Imaginons que j'aurais fermé la SAS Régnier et j'aurais continué à élever sous le nom de monsieur et madame Régnier. Je perdais toutes mes primes à l'éleveur qui étaient sous le nom de la SAS Régnier. Alors je me suis renseigné, j'ai appelé France Gallo, tout, on m'a dit, on m'a sorti des trucs et trucs. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Je trouve que vous avez travaillé pendant 20 ans, vous touchez des primes à l'éleveur, et du jour au lendemain, alors là j'ai compris le système, il y a chez vous quelqu'un qui a été intelligent, c'est un comptable, qui a découvert le poteau rose, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a été prendre dans la caisse. Parce qu'en fin de compte, personne n'a cherché cet argent-là. Alors je pense que c'est un sujet, parce qu'il y a des gens qui élèvent pas forcément en nom propre, mais qui élèvent en nom de société. Et si on ferme la société, on perd nos primes à l'éleveur. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, vous dites à France Gallo, il faut qu'on refonde, qu'on revoie tout et tout et tout. Moi, j'ai fait 2 mandats au Conseil du Plat. J'ai demandé plusieurs fois, je ne l'ai jamais eu, de faire une réunion spéciale poids. Et je trouve, parce qu'on parle beaucoup du PMU là, mais il y a une chose qu'on devrait parler beaucoup, c'est le propriétaire. Il y a le propriétaire qui gagne des grandes courses, mais il y a le petit propriétaire qui gagne à Dax. Quand vous gagnez une course, vous êtes content. Et quand vous voyez qu'on vous met 6 kilos d'un coup, l'autre jour j'étais chez un jeune entraîneur, il m'a dit c'est simple, propriétaire il gueule, il va falloir que je cours 4 fois pour que je descende de poids. Je pense qu'il y a, quelque chose, je ne sais pas quoi. Moi, je voulais que Loïc, il sait très bien, je l'ai demandé plusieurs fois, je voulais qu'on ait une réunion avec les gars du poids, qui nous expliquent pourquoi un jour ils nous mettent 6 kilos et qu'on comprend le système. Mais il faut se mettre à la place au dur. Je rencontre un propriétaire, il m'a dit, moi, je vais racheter un bateau parce que votre truc, là, ça ne tient pas la route. Voilà. C'est une idée que je lance en l'air. Il y a des nouvelles équipes maintenant. C'est à vous de faire le travail. Désolé, j'ai retenu pour idée que c'était de faire une réunion. C'est bien ça que vous dites. Je n'ai pas entendu autre suggestion que celle-là. Non, moi j'avais demandé, quand j'étais au Conseil du Plat, de faire une réunion Conseil du Plat sur le poids. Qu'on nous explique que les gens qui s'occupent du poids, qu'on nous explique pourquoi. Alain, on l'a fait la réunion. Oui, mais elle était en visio et compagnie à cause du... On a invité l'handicapeur. On a invité... Henri peut en parler puisqu'il est avec nous au Conseil du Plat. Moi j'ai fait 2 mandats au Conseil du Plat. Le handicapeur, on l'a fait venir régulièrement pour expliquer ses positions sur les poids. Henri, vous pouvez répondre. Oui, mais moi, je lui ai dit un jour à... Bon, il s'appelle Le Guerre, mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, vous êtes comme le pétrole. Quand le pétrole monte, à l'essence, le lendemain matin, il monte. Et remarquez, moi, je l'ai fait. Je fais un peu de bourse. J'ai suivi pendant 6 mois le truc. Quand le pétrole descend, croyez-moi, vous regardez votre pompe le lendemain matin, elle ne descend pas. Elle met 8 jours à descendre. Et là, les poids, c'est juste la même chose. Alors, je lui ai dit, il n'a pas aimé. Je lui ai dit, écoute, vous ressemblez au gars du pétrole. C'est juste pareil. Alors je sais que quand on lance ça, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que vis-à-vis d'un nouveau propriétaire, un petit propriétaire, il veut comprendre pourquoi du jour au lendemain on lui met 6 kilos et puis qu'il faut qu'il court son cheval 4 fois. Parce qu'en fin de compte, moi j'ai une pouliche qui courait, la jument est gagnée à chaque fois quand elle était en 28 de valeur. Dès qu'on lui mettait 32, 33, il fallait faire le tour et puis recommencer, elle arrivait en 28 et bien on reprenait de l'argent. Alors... Bon, vous avez dit plusieurs choses. Déjà, il faut rappeler que le rôle du handicapeur est un rôle extrêmement complexe. Parce que d'un côté, on dit qu'il met trop de poids ou il met des valeurs trop élevées. Et de l'autre, on regrette parfois que le rating de nos courses, donc la valeur de nos courses de groupe, ne soit pas suffisant. Et là, en l'occurrence, on lui dit « vous n'appréciez pas suffisamment à la hausse la valeur de nos chevaux ». Donc, de manière générale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que, j'allais dire, des observateurs sur la valeur des chevaux, il y a bien évidemment les propriétaires, leur entourage, mais il y a les propriétaires
et les entourages des autres chevaux qui participent aux courses à handicap, avec parfois des observations qui sont faites selon lesquelles les valeurs n'ont pas été réévaluées suffisamment, de manière suffisamment importante. Tout ceci pour vous donner ces éléments de contexte et pour rappeler le rôle extrêmement difficile du handicapeur. Et malgré tout, on le voit dans beaucoup de handicaps et des handicaps quintés en particulier, avec les valeurs qu'ils attribuent, ça donne lieu à des arrivées extrêmement serrées, ce qui prouve malgré tout que des fois, ils ne se trompent pas très souvent. Voilà. Même si on peut regretter ici et là, des entourages de chevaux regrettent ici et là que leur valeur soit réévaluée à la hausse. Donc ça, c'était un préambule. Ensuite, on est, et dans le cadre du Conseil du Plat, toujours ouvert, et le Conseil de l'Obstacle, c'est exactement la même chose, à avoir des discussions transparentes sur ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement technique et qu'il faut apprécier dans son ensemble. Parce que si on prend de manière isolément la valeur d'un cheval, il faut l'apprécier de manière beaucoup plus globale au regard des performances qui ont été réalisées au préalable et des performances qui ont été réalisées ensuite par les chevaux qui l'ont battu ou qui l'ont devancé. Donc, et le handicapeur, lui, il a cette approche globale et il est en mesure de l'expliquer. Alors les explications qui sont fournies ne donnent pas toujours satisfaction aux entourages des chevaux, mais en tout cas il est en mesure de le faire. Et je rappelle que le handicapeur est tout le temps joignable, ou les handicapeurs sont tout le temps joignables, ou lorsqu'ils sont présents sur les hippodromes, là ils sont présents à Deauville, régulièrement des socioprofessionnels viennent les voir pour leur demander des explications sur la valeur qui a été attribuée aux chevaux. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas ouverts à ces explications, même si, comme je le disais il y a quelques instants, parfois c'est difficile de convaincre les entourages de chevaux. Donc ça, c'est pour les handicaps. Et bien évidemment, s'il faut refaire ce type de réunion, ça a été fait récemment au niveau du Conseil de l'Obstacle, on est bien évidemment disposé à refaire ce type de réunion d'explication et de partage. Sur le premier point que vous avez évoqué, Alain, c'est la question des primes à l'éleveur. Il y a un principe juridique qui prévoit que les primes à l'élevage sont intransmissibles et incessibles. Et donc, dans ce contexte-là, et au regard de ce principe, c'est vrai que s'il y a une structure qui disparaît, qui est clôturée, alors soit de manière volontaire, soit à la suite d'une liquidation judiciaire, dans les faits, c'est sûr que le bénéficiaire des primes en perd la qualité et ne peut plus en disposer. Alors, bien évidemment, on peut réexaminer la question au plan juridique, mais aujourd'hui, c'est ce principe qui s'applique. Et effectivement, j'imagine que le conseil qui vous a été donné, vous concernant, c'était de conserver la structure avant de la clôturer pour pouvoir continuer à bénéficier de ces primes. Qui décide du choix de la personne ou la valeur ? Le choix du handicapeur, vous savez, il y a des processus de recrutement qui existent et il y a des personnes qui répondent au recrutement de postes qui sont à pourvoir. Et il faut un certain nombre de qualités préalables, de connaissances des courses. Et ensuite, il y a une formation au métier du handicapeur qui est effectuée pour que, il puisse acquérir les bases de ce travail d'handicapeur. Je rappelle aussi que le travail du handicapeur est un travail collégial. On dit souvent le handicapeur, et vous venez de le dire en posant votre question, mais en fait c'est une appréciation collégiale de plusieurs personnes sur la valeur qui est attribuée aux chevaux. Et ce principe de collégialité, il existe tant au plan national qu'au plan international pour l'appréciation des valeurs des chevaux qui participent aux courses de groupe 1, ce qui permet d'attribuer ensuite la valeur des courses de groupe et des listes de race. Je voudrais juste rajouter une chose, Monsieur Régnier, concernant le Conseil du Plat. Comme le disait Henri tout à l'heure, le handicapeur est invité au Conseil du Plat et assiste au Conseil du Plat, donc participe à toutes les réunions. De la même manière, il est aussi dans les commissions techniques. Donc l'ensemble des professionnels ont totalement accès à lui. Pour compléter la question d'Alain, il y a eu plusieurs problèmes là, sur des successions. Il est important, lorsqu'il y a un décès, c'est que les gens doivent faire leur déclaration de succession. Moi, il y a eu deux personnes que vous connaissez tous qui, malheureusement, sont décédées. Et je suis intervenu auprès des héritiers en leur disant « faites une déclaration à France Gallo ». Parce que France Gallo, bien sûr, il y a des gens très connus, ne peuvent pas inventer non plus qu'il y a eu un décès et ne peuvent pas inventer qui va être l'héritier.
Et donc ça, Jean-Henri, je pense que je ne me trompe pas quand je dis ça. Il faut que ce soit que la personne, bah, les héritiers, il faut qu'ils se manifestent. Oui, complètement. C'est vrai que dans le cadre des autres agréments, les héritiers se manifestent plus régulièrement. S'agissant des éleveurs, il est arrivé récemment qu'il y ait plusieurs cas pour lesquels le décès n'a pas été communiqué à France Gallo, ce qui est un préalable nécessaire. Et ensuite, ce qui est important, c'est que le notaire en charge de la succession puisse indiquer le ou les héritiers bénéficiaires des fonds dans le cadre de cette succession, ce qui permet ensuite à France Gallo de débloquer les choses. Mais sans ce préalable, effectivement, il ne peut pas y avoir de versement, de primes, ou en tout cas de possibilité d'utiliser le compte tant que ces informations ne nous ont pas été communiquées. Voilà, on est l'heure avance, donc on va accepter une dernière question. Oui, alors, donc je vois une main qui se lève. Oui. Bon, oui, excusez-moi, une dernière question, il se fait tard, effectivement, on va passer le micro, merci. Bah, attendez, parlez pas à deux. Je voulais... encore une question pour le PMU et son éventuel et son coactionnaire ici présent. Quelle est la stratégie actuelle au niveau du pari sportif? Est-il encore possible de revenir dans la course et comment? Merci. Louis, je me suis exprimé sur le sujet. J'ai la conviction personnelle que le PMU doit être une entreprise multi-paris et multi-jeu. Je dis que c'est une conviction personnelle. Ça n'a pas été discuté avec le conseil d'administration. Et voilà. Donc, voilà mon constat personnel. Deux, force est de constater que, et Emmanuel sera plus élaborera plus que moi, c'est un arbitrage à nouveau avec les investissements qui sont à faire pour revenir dans le marché avec une part de marché significative. Mais Emmanuel, je te laisse. Donc sur ce sujet-là, il y a un changement là encore de marché majeur, c'est qu'il y a encore quelques mois, chacun restait dans son couloir. C'est-à-dire qu'en fait, la Française des Jeux faisait ses jeux, Betclic faisait du sport, etc. Là, ce que vous voyez depuis quelques mois, maintenant presque année, enfin en tout cas depuis un an, c'est que chacun des acteurs est en train de se positionner en acteur multijeu. Française des Jeux, qui n'avait pas d'Epic, a racheté The Turf. Prépare une ouverture potentielle des casinos en rachetant Unibet, enfin Kindred au niveau européen. Betclic investissait pas sur l'Epic, maintenant investit plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros sur ses autres activités, dont l'Epic, en dehors du sport. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, et on a beaucoup parlé avec Richard, Guillaume et tout le conseil d'administration, c'est qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'être acteur multijeu. Pourquoi? D'abord pour préserver nos clients hippiques, puisque demain, comme les acteurs aujourd'hui sur le digital sont multi-activités, on va perdre nos clients hippiques si on ne leur offre pas d'autres activités. Parce que sur Française des Jeux, parce que sur Betclic, ils auront une offre hippique et donc du coup, on va les perdre par rapport à la compétition. Donc on le fait, un, pour retenir, fidéliser nos clients hippiques, et ça c'est très important, parce que sinon ils vont ce qu'on appelle churner à la concurrence, puisque ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, maintenant les autres acteurs ont l'ensemble des activités. Et deux, l'activité sportive est une activité de recrutement et en croissance. Aujourd'hui, ce que ça veut dire, et on en discute beaucoup, et c'est exactement ce que vient de dire Guillaume, c'est que si on veut faire ça, il faut investir dans une nouvelle plateforme, un nouveau produit sport, parce qu'aujourd'hui, je vous invite à aller sur Betclic ou Française des Jeux, ou Unibet par rapport à PMU, on n'a pas du tout une plateforme, si je puis dire, sportive au niveau du marché. Donc c'est la question qu'on est en train d'adresser, de se dire quelle est l'ambition et quels sont les moyens associés à cette ambition sur le sport. Alors, je vais réagir et corriger quelques chiffres faux.
Déjà, effectivement, au niveau de la part de marché, au moment où il y a eu l'introduction du PMU, l'ouverture des jeux, il y avait à peu près 25% du marché. Quand Cyril Linette est arrivé, à combien on était ? On était à 7-8%, d'accord ? Donc voilà, donc déjà, on va remettre les choses dans le bon ordre. Ensuite, deuxième élément, la décision a été prise à l'époque du Conseil et de la Direction Générale, je vous rappelle que je n'étais pas directrice générale, d'arrêter ces paris. Je peux vous dire que je me suis battue pour que déjà on les maintienne. Et à l'époque, le Conseil d'administration, parce que je suis désolée, vous ne siégez pas au Conseil d'administration, donc j'étais dans les discussions à l'époque, je me suis battue pour que déjà on n'arrête pas ces activités. Et ensuite, on a eu une consigne forte du Conseil d'administration qui nous a dit il faut que ces activités soient rentables. C'est la chose qu'on vous demande. Je suis désolée, on ne peut pas faire de l'acquisition ou de l'acquisition ou de la gagner de la part de marché en étant rentable dans une phase de croissance sur ces activités-là. Il fallait investir à ce moment-là. Donc deux choses. Déjà, l'essentiel de la perte de part de marché s'est faite avant 2019. On était 25%. On est passé à 7% parce qu'on n'a pas su s'adapter. Et il y avait plein de raisons qui l'expliquent. Mais en tout cas, il y a d'autres acteurs qui ont pris le marché, notamment à l'époque Winamax et Betclic. Et deuxième élément, et c'est des discussions qu'on a, et à l'époque, le conseil d'administration n'était pas prêt à le faire, c'est que si on veut aller chercher de la croissance et défendre nos parts de marché sur ces activités, il faut accepter de ne pas être rentable. Voilà ce que je peux vous répondre. Bon, je vous remercie pour toutes ces questions. Je pense que c'était une assemblée riche. Et ceux qui ont répondu pour le déjeuner, vous pouvez monter donc à l'étage, vous savez sûrement où est le restaurant.